Et bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, une fois de plus. C'est bientôt Pâques. Ça veut dire que c'est férié lundi. Ça, c'est l'essentiel à savoir de l'actualité. C'est aussi orgie de chocolat à prévoir. Hein. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, c'est aussi orgie d'agneau, normalement. Mais bon, je veux pas heurter la sensibilité des âmes sensibles qui croquent la vie par les racines. Donc, on va pas en parler. Pour fêter ça, on va faire une 24e édition d'Amarre aux grenouilles. Je pense que ça valait bien ça. Alors, on n'a pas de cloche en chocolat. Par contre, j'ai des chroniqueurs avec moi. N'en sont pas, des cloches. Enfin, je crois pas. Jean-Louis, bonjour Jean-Louis. Est-ce que tu as prévu avec tes enfants une chasse aux œufs là, ce week-end dans le jardin? Ah oui, normalement demain matin, ouais. Enfin demain, oui. Bon, est-ce qu'on peut venir? C'est prévu. Bah, si vous voulez, oui. Bon, Jean-Louis qui va faire Pâques avant l'heure, puisqu'on va avoir un œuf offert pour un livre acheté, ou à l'inverse, je ne sais plus. On vous en racontera plus tout à l'heure. Nathalie, toi, tu as un très grand jardin. Est-ce que tu as prévu de chasser les vrais lapins demain matin avec, avec ton fusil ou un arc, peut-être? Elle va nous répondre bientôt. Nathalie qui ne nous entend pas, évidemment, comme d'habitude. Alors, David. Je t'entends pas. Oui, ah, moi je t'entends. Toi, tu vas te faire sonner les cloches, j'imagine. Pas, je suis... non, j'entends pas. Bon, elle nous entend un petit peu avec un décalage. On a toujours le problème de connexion avec Nathalie. David, toi, tu vas sûrement te faire sonner les cloches hein, par la famille, comme d'habitude, parce que tu vas encore te mettre à écouter de la musique beaucoup trop fort. Tout à fait. Certainement, dimanche, enfin, ce lundi férié. Oui. Et puis, Laura, qui est en direct du car radio de France Info, là, est-ce que toi, tu grignotes du chocolat à tout va, là, ou est-ce que tu es raisonnable? Non, moi, du chocolat à tout va. Bon, eh ben, je crois qu'on est prêt. Alors, hein, on va passer un petit moment ensemble avec vous. Bienvenue à vous tous, évidemment, dans le chat. Vous êtes déjà une petite quinzaine. On va arriver gentiment. Il y aura un petit truc à gagner, donc on vous laisse vous installer. Salut le Noise, Sicoli, 1620B, Ezekiel. On va pas saluer tout le monde, tous les gens qu'on connaît pas également. Comme d'habitude, installez-vous, on va découvrir le clip de la semaine, j'allais dire, mais de la quinzaine en fait. Donc le clip de la quinzaine, c'est, attention, j'ai pas prévu de panneau comme Sylvain, mais c'est Alerte Copinage, c'est Saffronize, on vous en a déjà parlé, je vous en reparle et je vous dirai pourquoi juste après le clip, qui s'appelle Sunset People de Saffronize, on le regarde et on en parle après. Some people just wet. Some people went insane. Some extra people just went. Some extra people just went insane. All sorts of people get together to sunset treat them. Play their parts. Bored librarians chase mosquitoes. Casual people in their 40s. Netflix. Kids and Frank. On va attendre la fin, la vraie fin.
pris ma photo. Pourquoi je vous parle de Saffronize? Eh bien, parce que ils viennent donc de sortir ce nouveau clip. Saffronize, on nous a déjà parlé de l'album. On l'a chroniqué, on les a reçus dans la mare du mois de juillet dernier. Et c'est des Stéphanois. Alors, pourquoi je vous en parle ce jour aussi? Eh bien, parce que le clip, comme vous l'avez vu, a été réalisé il y a pas très longtemps avec un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Alf Bob. Et il a été réalisé également par des amis, en fait, et des amis très proches, puisqu'il y a un des fondateurs de Froggy's Delight qui s'appelle Eric Segel, qui est à l'image, avec Claude Crépet également, Grenouille, qui est à l'image. Et voilà. Et désolé, j'ai de la musique dans les oreilles et je ne sais pas d'où elle vient. Et du coup, ça me perturbe un tout petit peu. Voilà, on va pas se mentir. Voilà. Donc maintenant, ça va mieux que j'ai coupé la musique. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été réalisé donc par Eric Segel, Claude Crépet et j'ai oublié le nom de la monteuse, mais néanmoins valeureuse. Et les dessins ont été faits par Alf Bob. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alf Bob. Il a fait notamment ces ouvrages qui sont fantastiques, que vous devriez tous posséder, qui s'appellent Gimme Indie Rock, Just Gimme Indie Rock, pour être précis. Et Gimme More Indie Rock. Voilà. Donc, tous les dessins que vous voyez dans le clip, ce sont des dessins de Alf Bob. Voilà, ça c'est. Ça c'est ses illustrations. Il raconte là-dedans un petit peu sa biographie musicale, hein, comment il a découvert tous les groupes qu'il aime aujourd'hui. C'est génial, c'est chez Vite Cocagne. Hop, je vous le montre. Merci pour Charlotte Enfilac, effectivement, je l'avais loupé dans le générique. Il a sorti aussi d'autres choses, hein. Il a sorti par exemple Melinda, et il a sorti chez Fleurus toute une série d'ouvrages jeunesse. Bon, je ne les ai pas parce que je n'ai pas d'enfant, mais on peut vous laisser dans le chat, et je pense que Laura va ou l'a déjà fait, la petite URL de chez Fleurus Édition sur laquelle vous pourrez trouver ses œuvres. Alors voilà, j'avais envie de parler de ce clip, parce que Saffronize, on adore, parce que le clip est fait par des amis, et parce que H-Bob, c'est génial, et c'est aussi pour vous teaser un petit peu quelque chose dont on vous parlera très probablement dans le courant de l'été, eh bien autour de cette actualité-là, de H-Bob, de Wear Unique Records, de tout ça, et de musique. C'était Saffronize, c'est le clip de la semaine, ça sort donc chez Wear Unique Records, je vous montre le disque, il est trouvable dans toutes les bonnes, dans tous les bons disquaires, et puis évidemment, vous pouvez le commander directement chez Wear Unique Records également. On a les petits liens qui vont bien, qui vont vous arriver dans le chat, si c'est pas déjà le cas. Et ben ma foi, je vous encourage à découvrir Saffronize, c'est génial. Je suppose que vous avez écouté attentivement le clip et que ça vous aura donné grande envie. Voilà, c'était un petit clin d'œil aux copains et c'était aussi un petit clin d'œil de cœur parce qu'on adore ce groupe avec Raymond Deward notamment qui chante dans ce groupe. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais vraiment parler de ce groupe, ça me tenait et probablement qu'on vous fera gagner un disque dans une des prochaines émissions. On peut faire trop de cadeaux d'un coup, on les garde sous le coude. Qui m'entend, à qui on passe? J'ai envie de parler à Jean-Louis, parce que comme Jean-Louis va vous faire gagner quelque chose, on va directement lui donner la parole. À toi l'honneur, Jean-Louis. Bon, alors je lance le bal, d'accord. Donc je vais vous parler d'un ouvrage qui est sorti, qui s'appelle « La rivière des disparus » chez Buchet-Chastel, qui est sorti... jeudi, je crois, il me semble. 1er avril, je crois qu'il est sorti. Ou mercredi, enfin bon, bref, qui est sorti cette semaine. Alors, Buchet-Chastel, ils font pas beaucoup de... J'en lis de temps en temps, ils font beaucoup de romans français, étrangers, ils font pas beaucoup de polar thriller, et là, ils en ont fait un, ils ont récupéré des droits d'une auteure américaine qui s'appelle Liz Moore. C'est un livre qui a connu... qui est considéré aux États-Unis comme un best-seller, donc qui s'est beaucoup, beaucoup vendu. Il a eu la chance d'être
plébiscité, conseillé par Barack Obama, parce que vous savez que Barack Obama, souvent, il, tous les ans, on lui demande quels sont les, ses livres de l'année, et puis il en cite plusieurs, et puis du coup, ça fait des beaux bandeaux, et puis ça se vend vachement. Ça se vend et mieux, celui, ouais, et celui-là en faisait partie. Il est aussi conseillé par Paula Hawkins. Alors, Paula Hawkins, elle est un peu rigolote, parce que, bon, elle avait fait un livre qui était vachement bien, qui s'appelait La fille du train, qui était sorti chez Sonatine. Et puis, maintenant, j'ai l'impression qu'elle fait plus de bandeaux que de livres, parce qu'elle conseille plein de livres. Et par contre, elle en fait un peu moins. Elle conseillait déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, le livre qu'on avait fait gagner l'autre fois, oui. Anatomie d'un meurtre, ou je ne sais plus quoi, là. Oui, c'est ça. Elle avait déjà fait le bandeau aussi, en disant que c'était un livre aussi qui était génial, ce qui était bien d'ailleurs. Hein. Là, pour le coup, elle dit que. Enfin, le bandeau, je trouve pas qu'il correspond vraiment au livre. Il y a du suspense, mais c'est pas, voilà, c'est pas le livre où il y a le plus de suspense que j'ai lu. Donc là, je pense qu'ils en ont fait un peu 3 tonnes sur le bandeau, mais bon, ça va se vendre parce qu'il y a, il y a Paula Hawkins. Ça, c'est sûr. Alors, l'histoire se passe à Philadelphie, aux États-Unis. C'est la ville où habite Liz Moore. Hein, donc, du coup, on va avoir des descriptions de Philadelphie qui sont bien détaillées, bien immersives, des quartiers compliqués. L'histoire est assez. Alors, c'est aussi un livre qui va être normalement être adapté en série ou en film, je sais plus, avec une actrice qui est connue, qui jouait dans une série que j'avais vue, qui était très sympa, qui s'appelait que vous avez dû voir aussi, je pense, pour certains, qui s'appelle The Americans, qui parlait de d'espions, d'espions, je crois. Il y avait un couple hein, qui jouait le rôle d'espion. Et ben la fille, qui s'appelle Kerry Russell, elle devrait jouer le rôle principal de du film, si c'est un film ou de la série associée à ce livre. Alors l'histoire est assez simple, c'est l'histoire de deux sœurs. Alors il y a une qui s'appelle Casey et l'autre qui s'appelle Mickey ou Mikey, je sais pas comment ça se dit, Mickey, qui sont totalement opposées. Donc Mickey c'est la cadette, c'est l'aînée pardon, elle est devenue policière, elle travaille dans la police de Philadelphie. Et puis sa jeune sœur, elle a pris une trajectoire complètement opposée. Elle est droguée, camée, elle se prostitue dans le quartier pauvre de Philadelphie. Alors il y a dans le livre des meurtres qui se déroulent. Enfin, on retrouve des corps de jeunes filles dans un quartier pauvre de Philadelphie qui s'appelle Kensington. Ce sont des prostituées, des droguées qui sont retrouvées mortes très jeunes. Et puis en même temps qu'il y a ces meurtres qui se déroulent dans cette ville, et puis qui avec Mickey qui fait partie des enquêtrices pour rechercher ce serial killer, et ben il y a cette cadette Casey qui a disparu. Et donc du coup on va avoir deux histoires, on va avoir l'histoire de la recherche du meurtrier et puis Mickey qui va rechercher en même temps sa sœur qui a disparu depuis quelques mois. Et puis en même temps, on va avoir des retours en arrière dans le livre qui vont nous raconter l'histoire de ces deux sœurs, comment elles étaient quand elles étaient jeunes. On va voir que rapidement, on va comprendre rapidement pourquoi elles ont pris des chemins opposés, qu'elles se sont beaucoup disputées, séparées. On va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui explique cette séparation. Alors ça, on le sait au fil de l'ouvrage. Et puis on va savoir aussi évidemment au fil de l'ouvrage qui est le meurtrier, si on va retrouver ou pas sa sœur du coup. Pas de spoil. Hein. Non, pas de spoil évidemment. Et puis on va se rendre compte qu'il y a des personnages aussi qui rôdent autour de la sœur, autour de alors, la sœur qui est policière, hein, des personnages, des flics corrompus. Je cherche le nom de ceux qui ont des filles dans la rue et puis qui gèrent l'argent des filles dans la rue, des Mac aussi. Les proxénètes. Les proxénètes, ouais, c'est ça. Et puis on a aussi donc du coup une belle description des quartiers pauvres de la ville de Philadelphie qu'on retrouve aussi dans d'autres livres. J'avais lu récemment un livre sur Détroit aussi où c'est un peu le même genre d'histoire et avec des descriptions intéressantes sur la ville de Détroit. Donc au niveau du suspense, c'est pas violent parce que c'est alors il y en a hein, mais il va crescendo, c'est assez lent. Et c'est un beau livre aussi sur la filiation, sur les relations entre les sœurs, sur l'enfant, sur les conséquences de ce qu'on a pu vivre dans son enfance. Donc franchement, c'est un livre qui m'a bien plu. Et donc du coup, bah c'est un livre que je vais offrir à celui qui gagnera le concours qui va être organisé incessamment sur le dans le chat. Exact. Donc quand même un polar.
Ah ouais, c'est un polar, ouais. On reste quand même sur un polar. Tu dis qu'il n'y a pas un suspense incroyable, mais voilà, ça reste un polar. Si, si, non, mais la fin est assez surprenante, hein. Autant pour savoir si la sœur revient ou pas, si, qui est le meurtrier, etc. Mais c'est pas le, je trouve que le bandeau exagère un peu, parce que c'est pas chef-d'œuvre du suspense, parce que c'est pas un page-turner où, voilà, tu lis en une journée, parce que tu veux pas le lâcher. T'as du mal à le lâcher quand même, mais c'est pas le page turner comme les gros thrillers français d'auteurs qu'on peut connaître. Mais il y a un suspense qui est construit de façon intelligente, une intrigue qui est construite intelligente, et puis en même temps, bah, ça nous parle aussi du problème de l'addiction, de la drogue, de la prostitution, de la pauvreté. Donc c'est un thriller, mais c'est aussi un roman social. Et puis c'est un roman la filiation, la famille. Donc il y a plein de trucs en même temps et c'est plutôt bien. Et du coup, ça s'explique qu'il soit chez Chassel. C'est un thriller pur et dur, il n'aurait pas publié. Je pense que c'est le côté social qui a fait qu'ils se sont intéressés aussi à ce livre-là. Voilà. Ok. Donc bonne chance à celui qui va le... Si c'est pas celui qui va le pop, c'est pas un chef-d'œuvre, nous dit-on. Bon. un bon cocktail efficace, dirait-on. Ça sent la série ou la mini-série, ouais. Vu comment je pense qu'ils sont partis sur un film quand même. Il me semble qu'avoir lu qu'ils étaient partis sur un film, mais ça fera un bon film, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, parce que là, il y a des personnages qui ont l'air tous les deux assez profonds dans la façon dont tu les suis dans le livre. Alors comment c'est fait d'ailleurs dans le livre? C'est on suit les deux personnages, on en suit plutôt un que l'autre. Alors on suit pas la sœur. Hein. La sœur, on ne sait pas vraiment pas ce qu'elle vient. La sœur qui a disparu, elle, on ne sait pas ce qu'elle vient. On suit donc celle qui enquête. Et puis il y a alors c'est des chapitres assez courts. Hein, ça c'est classique dans les polars pour ceux qui en lisent, hein, parce que plus c'est court en général, plus il y a du rythme. Et puis on suit avec des retours en arrière réguliers leur enfance, comment évoluer leur relation, les problèmes qu'elles ont rencontrés, etc. D'accord. Ok, donc on n'est pas dans la peau des deux personnages. D'accord. Non, il y a la sœur qui a disparu, on ne sait vraiment pas. On va savoir à la fin ce qui lui est arrivé, mais. D'accord. Donc elle est là pour le suspense, mais effectivement, elle n'est pas à sa place. D'accord. Je pensais qu'à un moment donné, il y avait les deux en parallèle ou quelque chose comme ça. Ok, ouais, en tout cas, moi, j'aime bien les polars, moi, c'est quelque chose qui me branche. Nathalie, je ne sais pas si tu nous entends, David, vous, c'est un truc qui vous branche, ce genre de littérature? Oh, pour les vacances, tu vois, pour se détendre, c'est pas mal, genre. Et puis, quand il y a un côté un peu social comme ça, il y a un peu de fond, ça peut être intéressant, tu vois. Mais non, bah, pourquoi pas? On sent que ça ne doit pas être le chef-d'œuvre de l'année. Non. Mais que c'est un bouquin de détente. Non, mais c'est pareil, t'as des films comme ça qui sont pas nécessairement des chefs-d'œuvre, mais où tu passes un bon moment. Et ben, tu vois, c'est un peu ce ressenti-là à écouter Jean-Louis. Voilà. Donc, pourquoi pas. Nathalie, c'est ta cam des polars. Tu vas peut-être le gagner. Oui, moi j'aime beaucoup, mais j'ai pas le droit de jouer. Ah, on n'a pas dit ça. Non. J'aime beaucoup les polars. Ah oui, mais si, bon. C'est bien. T'as qu'à te créer un compte fantôme sur Twitch comme ça, tu pourras jouer. Non, je touche à rien. Alors justement, les amis, c'est le moment du concours. Je pense qu'on va le lancer tout de suite. Donc comme d'habitude, je vais lancer le concours. Vous avez 50 minutes pour jouer. Pour 50 minutes, parce qu'il faut qu'on ait le temps quand même d'annoncer les gagnants et de les tirer au sort. S'il y a des morts, Nathalie adore. Voilà, nous dit-on dans le chat. Je lance et vous allez taper le mot ticket précédé d'un point d'exclamation pour pouvoir participer. Voilà, c'est parti. Le tirage pour le tout nouveau roman de Liz Moore, Nya Nya Nya, a commencé. Pour tous les viewers, hein, donc utilisez le mot ticket, comme vous le disiez dans la petite phrase, ticket précédé d'un point d'exclamation pour pouvoir participer. Et à la fin, on fera un tirage au sort. Alors le noise, c'est exactement l'inverse. Précédé, c'est qu'il est devant. Il est devant. Non, c'est parce qu'il ne veut pas gagner, mais il fait le mec qui participe, mais il ne veut pas le gagner. C'est en notation polonaise inversée. Là. Voilà, c'est point d'exclamation, ticket sans espace, comme Ezekiel, comme Jenny Please, comme Marie Destouette, comme le noise. Voilà, c'est bien, bravo. Et en jouer, vous avez 50 minutes, notre bot va vous le rappeler de temps en temps. Et puis Laura aussi, regardez, elle a fait un super bandeau là qui défile. On se croirait vraiment sur TF1, c'est assez incroyable. On recule devant rien chez Froggy's Delight quand même, c'est vraiment la classe. Oh. Donc un roman, en plus ce roman que vous allez recevoir dans votre boîte à lettres aura été touché et lu par Jean-Louis quand même. C'est désinfecté, attention. Ouais. Si vous voulez, vous le dédicace, il suffira de le demander.
Il dédicacera, le bandeau. Tout est possible. Tout est possible. Je ferai un bandeau, je peux faire un bandeau aussi. Hein, c'est bon, pas... On peut faire un bandeau recommandé par Jean-Louis, celui-là même de Froggy's Delight. C'est ça. Ah, c'est chic. Voilà, Lilou 33, voilà, ça joue, c'est super. On voulait jouer, on va vous parler de quelque chose d'évidemment totalement différent, comme dirait les Monty Python, avec par exemple Nathalie, on va faire un garçon et une fille. Allez. Moi, je vais vous parler d'une BD. La deuxième fille tout à l'heure, ce sera toi qui feras la deuxième fille. Exactement, je me sacrifie. Alors moi, je vais vous parler d'une BD qui a été écrite par un infographiste. Donc, infographiste, c'est un pseudo d'un auteur belge. Sa spécialité, c'est de détourner des images tombées dans le domaine public, de changer les commentaires ou d'en rajouter quand il n'y en a pas, de manière à ce que ce soit humoristique. C'est aux éditions Bande Détournée et la campagne Ulule pour le tome 3 se termine ce soir. Donc, il est illustrateur, il est scénariste, il est coloriste. Au début, il a commencé sa carrière, je dirais, en détournant Tintin. Mais en fait, il a été appelé par Moulinsart et ils lui ont dit qu'il avait plus le droit de faire ça, que c'était pas bien. Du coup, il fait plus Tintin et il s'est attaqué à des images qui étaient libres de droit. Donc, il décontextualise des images qui viennent de vieilles encyclopédies, des vieux albums photos, des images pieuses aussi. Il rajoute des commentaires. Donc lui, il dit en plus, comme ils sont tous morts, il aura pas besoin de les payer. C'est un petit côté punk, un petit peu anticonformiste. Il fait pas de politique. C'est juste pour rigoler et pour détourner. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Certains diront oui, mais non, on peut pas rire de tout. Et chacun en pense ce qu'il veut, mais pour lui, on peut rire de tout. Donc, il va prendre, par exemple, une image pieuse avec, vous savez, l'histoire de l'Esprit Saint. Là, c'est souvent représenté par un trait lumineux. Et il dit, bon, bah, Rémi, maintenant, tu ranges ton sabre laser ou je vais t'en coller une. Et c'est complètement décalé avec le côté pieux et le côté langage très familier. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Si vous le suivez sur, bon, je sais bien que Facebook, c'est pour les vieux, mais si vous le suivez sur Facebook, tous les jours, et donc depuis 2 jours, c'est toutes les 3 heures, ils publient un nouveau détournement. Donc certains sont, puis ils arrivent comme ça en plein milieu de journée, certains sont hilarants, d'autres un petit peu moins, mais il y en a pour tous les goûts. Et donc j'utilise ces mots, donc lui dans son... Sur sa page, il explique que ce sont des illustrations magistrales dérobées dans les plus beaux musées du monde. Et puis en plus, il garde un respect pour les auteurs originaux parce que du coup, on peut aussi détourner ce qu'il fait en disant qu'il rend hommage à ces vieilles photos, parfois un peu moches, parfois un peu mièvres ou complètement désuètes, avec des gens habillés avec des corsets, la poudre partout, et il leur fait parler de TikTok, par exemple. Ce sont des contrefaçons. Et lui, il explique par exemple que donc le tome 3, c'est 104 pages lithographiées en France par 104 moines copistes enchaînés dans les catacombes de Notre-Dame. Et donc, j'aime bien le décalage entre le moine copiste et enchaîné dans les catacombes. Et en fait, tout l'album est fait de ça. Donc, c'est infographiste et le livre s'appelle Infolivre. Et la campagne sur Ulule se termine ce soir et le livre sera disponible au mois de mai. Mais en attendant, vous pouvez toujours acheter le tome 1 et le tome 2. Voilà. C'est vrai. Alors, j'aurais voulu partager une petite image. Moi, j'adore un infographiste. Ça me fait mourir de rire. On va pas se mentir. Voilà. Est-ce que je peux partager ? Est-ce que c'est la bonne image que je vais partager là ? Pas du tout. Il y en a plein. En plus, tout ce qu'il publie, c'est pas libre de droit, mais c'est ça se partage, ça se répand. Vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur en partageant ces images. Et elles sont très facilement accessibles. Après, si vous allez sur la page Ulule, je ne sais pas si le lien est passé dans le chat. Oui, le lien est passé. Ouais. Et ben, y a plein d'exemples. Et si ça vous plaît, l'album vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, allez voir du côté... Changer de rayon. Changer de rayon. Bon, j'arrive pas à partager correctement mon écran. J'en suis bien désolé, les amis. Peut-être que c'est ça. Voilà. Regardez. Voilà. Je vous laisse lire ça. Est-ce que c'est lisible ? Ah, la Ouf du Roi. Ah ouais. Le Ouf du Roi. Excellent. Et du coup, ça permet de moins perdre son temps quand on se retrouve. Donc, je sais que maintenant, il n'y a plus de magazines dans les salles d'attente. Mais si vous trouvez un vieux magazine tout moche avec la mort de Claude François, eh bien, vous pouvez prendre votre crayon et dessiner à l'image de l'infographiste et vous ne perdez pas votre temps à attendre que votre place se libère.
Exactement. C'est un créatif qui donne des idées de création. C'est ça qui est marrant. C'est Oui. presque de l'open source, du détournement. Moi, j'adore. On avait, sur tes conseils et ceux d'Eric, justement, toujours le fameux Eric, hein, dont on parlait tout à Oui. l'heure, qui a tourné les images du clip de Safronize. C'est vous deux qui m'aviez fait découvrir le précédent, là, avec Davy Crockett, le trappeur vegan, etc. Oui, c'est ça, et la pub pour la permaculture. Exactement, c'était vraiment vraiment génial, j'avais adoré. Et donc j'ai évidemment souscrit à ce tome 3 sur Ulule avec grand plaisir. Je sais pas si ça vous parle de votre côté. Voilà, ça s'appelait le petit guide pratique ludique et illustré de l'effondrement. Voilà. C'est ça. Pour vivre à la fin du monde en toute tranquillité, avec beaucoup d'humour. Exactement. Réchauffement climatique, extinction de masse, guerre, épidémie, communisme. L'effondrement arrive, mais pas de panique. Avec ce petit guide entre les mains, vous ne risquez plus rien. Voilà. Et donc, effectivement, c'est le même principe, hein. C'est des pages de BD. Là, c'est pas juste des vignettes, hein, c'est des pages de BD qui sont détournées, comme tu le disais. Et puis voilà, quoi. C'est absolument génial. Moi, ça me fait mourir de rire. Et voilà. Vous connaissiez Jean-Louis, David? Non, pas encore. Non, moi je connaissais pas. J'ai regardé il y a quelques jours parce que j'avais eu le lien et j'ai trouvé ça marrant. Ouais, on en poste régulièrement sur Facebook. On les reposte, quoi. Donc voilà, c'est super chouette. Marie, pas du tout. Écoute, je te conseille. Hein, dernier jour de la campagne Ulule, c'est pas excessivement cher. Vous pouvez avoir le premier prix est à 20 €. Exactement. Et puis après, tu finances de plus en plus. Ça dépend si tu es trappeur vegan ou si tu es petit écureuil ou je sais pas quoi. Tu Exactement. Peux même avoir après en cadeau des autocollants vignettes à mettre un petit peu partout sur les photos officielles, dessiner des moustaches. Enfin, c'est ce principe. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est vraiment, vraiment génial. Va voir, ouais, je fais mon pain, va voir. C'est le dernier jour de la campagne Ulule aujourd'hui. Après, vous Oui. pourrez le commander, hein, ils ont un site, mais c'est vrai que pour avoir le grand détournement, enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais Eric l'avait précommandé justement à l'époque en Ulule ou en crowdfunding en tout cas, et j'avais eu pas mal de mal à le récupérer ensuite parce qu'il était difficilement réachetable. Voilà, on l'avait trouvé sur leur site. Voilà. Pour forger l'humour des plus ou moins jeunes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est absurde, hein, c'est complètement décalé, donc il faut vraiment, voilà. J'adore ce truc. Merci d'en avoir parlé, Nathalie. C'est génial. Avec plaisir. Tu sais, j'aime bien les trucs un peu décalés. N'est-ce pas, n'est-ce pas? On peut avoir les liens de nouveau. Eh bien, notre régisseuse en chef, Laura la régie, puisque c'est son petit nom, va vous recoller ça avec plaisir. De façon quasi instantanée, vous allez voir, c'est la magie du direct. Voilà, le Facebook et le Ulule viennent d'apparaître sur vos yeux, sous vos yeux ébahis, très certainement. N'oubliez pas que vous pouvez gagner un roman pour ceux qui viendraient d'arriver. Il suffit de taper ticket pour pouvoir le gagner. Et Nathalie est figée, puisqu'elle a terminé sa chronique, évidemment. Sa connexion 4G lui a encore joué des tours. C'est pas grave, comme ça on passe directement à toi, David. Et moi, ça va, je bouge. Bon. Et toi, tu bouges. Ça, c'est... Ah, voilà. Oh, c'est bien. Oui, donc moi, je vais vous parler d'un groupe belge. Il y a toujours une très belle scène belge. On a vu Deus, Gunzu. J'aime bien les groupes belges, en général, dans le domaine du rock. Je trouve qu'ils font toujours des choses très intéressantes. Et donc là, je vais vous présenter un groupe, donc un disque, qui, on ne voit pas très bien, voilà. Hit, Hit, Anita, et le nom du disque, Sauvé. Hit Hit Anita est signé chez le label Vicious Circle, excellent label bordelais. Très souvent, je présente des choses de ce label, j'ai présenté les Sistrata, tout ça. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, il est signé sur ce label. Voilà, on entend un extrait. Le disque est sorti hier. Il coûte 17,90 € en vinyle, donc vraiment ne vous privez pas. Et il s'agit de leur deuxième album. Le premier album, il s'appelait Laurent. Vous pouvez aller l'acheter également sur leur Bandcamp. Et ce disque, ça avait été, alors quand ce disque était sorti, donc il est sorti il y a 3 ans, sauf erreur de ma part. Ça avait été une énorme claque pour moi. Ensuite, je les avais vus sur scène, en première partie de Lysistrata,
Et sur scène, ce groupe est démentiel. Même si là, vous n'aimez pas le clip, allez les voir s'ils passent près de chez vous. Parce que ça joue à fond. Au bout d'un moment, ils prennent leurs instruments, ils viennent dans la fosse pour jouer avec vous. Genre, vous êtes le public, vous êtes autour d'eux et ils jouent comme ça au milieu de vous. Le batteur est complètement a un son qui est également totalement démentiel. On s'en rend un peu compte sur ce groupe. Donc voilà, donc un groupe à voir en live. Mais donc là, sur ce disque, donc deuxième disque, qui s'appelle Sauvé. Sauvé, c'est le nom de leur ingénieur du son. Chaque disque porte le nom de l'ingénieur du son. Le premier disque, c'était Laurent, c'était l'ingénieur du son du premier disque. Le deuxième, c'est Monsieur Sauvé, c'est l'ingénieur du son sur le deuxième disque. Donc, le disque a été enregistré en Mayenne, à Laval. Et musicalement, on peut classer ça dans la catégorie noise rock. On peut penser à des groupes comme Shellac, comme Metz, qui avait sorti un disque l'année dernière. Certains vont trouver ça un peu brutiste, d'autres vont trouver ça hyper puissant. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. L'album est composé de 10 titres. Vous avez un titre au milieu qui est un petit peu plus calme. Il y a un côté un peu Granddaddy. C'est le titre Authority, mais sinon le reste, non, c'est pas du Granddaddy. Ça joue à fond. Le son de la batterie, franchement, vous en prenez mais vraiment plein la gueule. C'est un très bon disque. J'appréhendais un petit peu parce que j'avais beaucoup aimé le précédent. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir encore à renouveler un album d'une si grande qualité? Et ben celui-là, je le trouve encore meilleur. Parce que là, ils ont vraiment une orientation. Le précédent, parfois, il y avait peut-être des... Ça allait parfois un peu vers le grunge. Là, il y a vraiment une orientation qui est noise. Et ça joue à fond. Le dernier titre, donc qui dure 7 minutes 20, qui s'appelle 53, c'est du Sonic Youth. Genre, si vous aimez Sonic Youth, vous allez adorer ce titre. C'est un titre instrumental. Mais c'est pareil, c'est hyper puissant. Voilà. Donc c'est un album que je conseille très 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 fortement. Il est pas cher en plus. Je crois qu'en CD il est à 12 € et quelques. Alors normalement ils avaient prévu une tournée, mais bon ça va être décalé. Mais c'est des groupes qui font plein de dates, ça. Donc ils vont être près de chez vous. Je sais plus, ils avaient prévu de passer à Brest, ils avaient prévu. Alors ils passent pas à Caen, mais à Caen personne ne passe, hein, comme ça. Mais non, mais faut aller à Rouen, mais ou à Saint-Lô. Moi, je les avais vus à Saint-Lô. Mais voilà, donc ils vont faire une belle tournée, à mon avis, en 2022. Donc n'hésitez pas à aller les voir. C'est un très très beau, un très bon disque. Et je vous dis, ça vous donne la pêche. On s'en rend compte avec l'extrait qu'on vient de passer. Voilà, donc Anita, Sauvé, que vous pouvez trouver sur leur Bandcamp, que vous pouvez trouver à la FNAC, dans tout bon disquaire. On a une question très intéressante que tu dois voir apparaître. Les textes sont-ils importants? Ils ont un sens? Ou alors c'est juste pour secouer les cheveux comme un jeune décérébré? Non. A priori, les textes, c'est assez pessimiste. Hein. Alors, je ne les ai pas décortiqués, mais de ce que j'ai compris... c'est pas des textes. On se balade dans la nature, que la vie est belle et qu'on se sent bien. C'est plutôt des textes pessimistes. Mais non, je pense qu'il y a un fond. Mais je les ai pas décortiqués. Mais c'est pas. Alors c'est marrant parce que souvent les titres, ils commencent avec 2-3 coups de baguette, tu vois. Tac tac tac. Et puis après ça attaque. Mais non, c'est pas des titres allez tout vous faire foutre ou non, il y a du fond quand même. Hein. Non, je pense que il y a du fond. C'est que des titres en anglais. Le groupe est situé à Liège. C'est que des titres en anglais. Il y a pas de titres francophones. D'accord. Mais et objectivement, alors après certains sur le dernier titre, certains vont dire oh non, mais ils ont recompé Sonic Youth là. Mais quand on aime Sonic Youth, on s'y retrouve. Ben c'est pas grave, si ça fait du bien. Ouais. Ben ça fait du bien, voilà. Et il y a plusieurs titres où voilà, on se dit tiens, ça aurait pu être sur un album de Sonic Youth.
Mais voilà, ça fait du bien et c'est principal. Très bien. Moi, c'est ma cam, effectivement. Je suis étonné que tu ne l'aies pas en vinyle. Ben non, parce que alors, j'avoue que je l'ai reçu, mais je vais l'avoir en vinyle. Non. Tu vas réinvestir. Oui. J'avais acheté le premier en vinyle et le deuxième, sauf que la couverture est assez jolie, là, avec un château dessiné. Donc non, le deuxième sera en vinyle. J'achète pas systématiquement en vinyle, mais ça fait partie des disques que j'ai en vinyle. Surtout qu'il est pas cher. Moi j'investirais, c'est sûr. Jean-Louis, je suis sûr que t'es un peu moins client, par contre. Pareil. Un peu moins, on va dire. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Bah, oui. Ouais, c'est vrai. Donc j'investirais pas en vinyle, ça c'est sûr. Mais je dis pas que je vais pas écouter, par contre. Écoutez, oui. Moi, je les avais vus sur scène avec un ami qui n'est pas spécialement fanat de cette musique-là. Franchement, il avait été retourné. On était sortis, il m'avait dit « Oh, ton groupe, là, c'est un truc de fou. » Et voilà, parce que on s'était retrouvés à côté du batteur. Ah non, c'était... Donc voilà, s'il passe à Montpellier, va les voir. C'est noté. On essaiera de l'envoyer. En envoyé spécial Froggy pour voir. Tu vois. Ouais. Parce que je ne parle pas à Nathalie pour l'instant, qui a toujours des problèmes de 4G. Pas de panique, elle va revenir, Nathalie. On est tranquille, on ne panique pas. Vous pouvez toujours jouer avec le mot « ticket » précédé d'un point d'exclamation pour gagner un livre qui s'appelle « La rivière des disparus », voilà, entre parenthèses. Merci beaucoup, David, ça donne envie, en tout cas, et Titanita, j'avais bien aimé le premier. Moi, j'avais quand même une question à te poser, tiens, qui me revient, là, je voulais te la poser tout à l'heure, je voulais pas te couper. Tu dis que les albums portent le nom du réalisateur, finalement, enfin, en tout cas, de l'ingénieur du son. Est-ce que du coup, ils ont chacun une patte sonore qui est différente l'un de l'autre? Est-ce que Laurent est très différent de Sauvé? Ou alors, voilà, c'est vraiment pour lui faire plaisir parce que comme ça, il touche un cachet? Non, je sais pas. Non, celui-là, il est quand même un peu... Il est plus percutant que le précédent, je trouve. Donc, j'imagine qu'il y a eu un travail, là-dessus. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est pas... percutant, c'est le terme que j'utiliserais. Donc, je pense que ça rentre en ligne de compte. Voilà. Après, j'en sais pas plus. À voir si c'est une volonté. Je sais pas. Est-ce que c'est c'est leur truc. On nous dit que tu es extrêmement enthousiaste et que si tu commentais les concerts en direct, ce serait quand même des moments assez anthologiques a priori. Et c'est vrai. Et que structure, ça pourrait être, c'est très bien. Je vois, j'adore structure dans le genre post-punk, c'est vachement bien la structure. Ah oui, confirmes? Ouais, je confirme. Ouais. C'est Bowie Oui qui nous dit ça, Bowie Oui qui nous a rejoint parce qu'on a un petit peu teasé le programme et on va parler bientôt de David Bowie. Tu es beau comme Bowie. C'est à moi, je crois. Salut Nathalie, ça va? Salut. Oui, très bien. Tout va on bien. Sait que tu galères, hein. On sait que tu galères, mais c'est à moi. T'as raté de la musique qui faisait plein de bruit. Je suis sûr que c'est pour ça que tu es parti. Bah bien sûr. Même mais si non, tu je voulais pas... écouter. J'aime bien les punks. Ouais. Même si tu veux pas l'avouer, ouais. Tu dis ça, mais c'est à moi. Moi, je vais vous parler de photos. Parce que la photo, c'est un truc que j'aime bien aussi, en plus de la musique, des jeux vidéo et de la plomberie. C'est faux, je n'aime pas la plomberie. Ah, la plomberie. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Laetitia Battaglia. Comme vous le devinez, c'est une Italienne et c'est une Italienne de Sicile. Voilà, Laetitia Battaglia. C'est une dame qui est née en 1935, qui est en pleine forme, qui a donc 86 ans, qui est photographe, qui est devenue photographe à l'âge de 40 ans. Donc, vous imaginez que c'est un changement de carrière auquel on ne s'attend pas forcément. Pourquoi elle est devenue photographe? Eh bien, parce qu'elle avait envie un peu de changer de vie. C'est une dame qui s'est mariée très jeune. Elle raconte hein, dans un documentaire dont on va vous montrer la bande-annonce qu'elle s'est mariée à 16 ans avec, comme elle dit, le premier homme. Et puis, au bout d'un moment, elle a pris sa vie en main. Elle est devenue photographe. Alors, devenir photographe, c'est bien.
devenir photographe pour la presse italienne et surtout pour la presse à Palerme, c'est autre chose. C'est une femme qui a été, je crois, la première photographe à photographier des scènes de crimes de la mafia et de les publier dans des journaux. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne des photos complètement démentes dans ce livre. Mais il y a beaucoup de livres à son sujet. Et il y a notamment un film dont on voit la bande-annonce qui s'appelle Shooting the Mafia, qui est sorti fin 2019, 2020, ça dépend un petit peu des pays, qu'on a du mal à trouver pour l'instant. Hein, donc je ne vais pas vous vendre le film pour l'instant, mais si vous arrivez à le trouver et à le voir, tant mieux. C'est absolument génial. C'est un film documentaire, hein, donc avec des, voilà, on voit les images. Voilà, je vous laisse un petit peu passer les images parce que voilà. Et c'est assez incroyable. Voilà ce qu'elle photographiait. Donc elle photographiait les mafieux. Regardez, cette photo est extrêmement célèbre. Je vais vous la montrer. Elle photographiait aussi. Non, on va laisser passer la. Non, ça ne dure que 2 minutes. Elle photographiait aussi, par exemple, des veuves ou des mamans de mafieux qui avaient été abattus. Alors soit par la police, hein, mais plus souvent par d'autres mafieux. Là, on a avec le portrait de son fils derrière, par exemple. C'est des photos magnifiques. C'est elle, hein, c'est cette dame-là, Laetitia Battaglia. Et elle a, elle a fait des photos assez, assez incroyables, hein, comme, comme celle-ci, pardon, je les ai marquées. Voilà le genre de photos qu'elle faisait. Tac. Est-ce que vous voyez bien? Je crois que oui. Vous voyez bien? Voilà. Alors, il y a des morts, hein, il y a des morts. Je sais que vous aimez ça, les morts. il y a des morts et c'est magnifique. C'est... Alors c'est magnifique, c'est un peu bizarre de dire la mort, c'est magnifique, mais voilà. Alors elle a pas fait que ça, hein. Elle a fait aussi voilà, il y a cette photo qui est extrêmement célèbre qu'on a vu passer dans la petite bande annonce d'un enfant qui joue entre guillemets, qui joue à tuer. Bon en fait, c'est des vraies armes, hein. C'est leurs parents qui leur donnaient ces armes-là. Voilà, il y a toute une série de photos comme ça avec cet enfant là qui avec une cagoule qui finalement on ne sait pas s'il s'entraîne. Pour faire plaisir à son père, ou bien s'il joue vraiment à des jeux d'enfants, comme on pouvait jouer à des jeux d'enfants, hein, avec des pistolets quand on était petit, on l'a tous fait plus ou moins quelque part. Haute vie, salut. Elle débarque, tu débarques, mais c'est pas grave. Elle faisait des photos pour la presse à Palerme et elle faisait des photos de scènes de crime de la mafia. Mais pas seulement, elle a fait aussi cette photo célèbre de la jeune fille au ballon. Donc c'est une jeune fille qu'elle a croisée dans la rue, donc il y a toute une histoire, hein, qui est ici en, en italien et en anglais. Ce livre est trouvable sur Amazon, donc je ne sais pas si... nous, on l'a acheté en Italie, mais je ne sais pas s'il est traduit en français, mais les textes anglais sont très compréhensibles. Cette photo est célèbre, elle avait croisé cette jeune fille qui jouait au ballon et elle lui a demandé de se mettre là, comme ça, contre ce mur. Elle a un billet qu'elle lui avait donné pour prendre la photo, je crois, de mémoire, dans la main gauche. Alors on ne voit pas forcément très bien, mais elle a un billet. Ah, si, voilà. Et donc voilà cette photo qui est assez incroyable avec ce visage de jeune fille qui porte tellement de choses et d'émotions sur ce visage. J'ai trouvé sur internet, alors je n'ai pas la photo, mais elle a retrouvé cette jeune fille il n'y a pas très longtemps et elle l'a refotographiée adulte au même endroit et c'était assez touchant ce truc-là. Voilà, par exemple, on a une autre photo d'une veuve très récemment. Qui est sur le cadavre de son mari, un mafieux également, un capot, comme ils disent. Voilà, qui a mal tourné. Voilà, c'est assez magnifique. C'est une femme incroyable. Elle a une histoire complètement folle qui est racontée dans ce bouquin. Alors, ça, c'est un bouquin. Il y en a des dizaines sur elle. Je ne sais pas s'il y en a des dizaines, mais il y en a énormément sur elle. Il y a ce fameux film Shooting the Mafia. Il y a d'autres documentaires sur elle que vous pouvez trouver. Si vous voulez chercher un peu sur des sites de musées notamment, où vous payez 6 euros le billet d'une visite virtuelle, hein, actuellement ça se trouve. Et le ballon et l'Italie, c'est parlant, ouais. Et puis l'argent, aller lire dans la main à l'époque, ça c'est les années 70, c'est saisissant, effectivement, Haute Vie, tu as complètement raison, c'est assez saisissant, c'est magnifique. Alors elle a fait des photos un peu plus, j'allais dire joyeuses, mais là je tombe sur des moutons, ben voilà, c'est Pâques, hein, donc je vais vous la montrer quand même. Voilà. Vous la voyez bien, je crois que oui. Voilà. Elle a fait quelques nus aussi sympathiques. Alors je peux vous trouver ça.
Nous, on avait découvert ça en Italie. C'était une exposition à Venise, hein, sur une rétrospective qui était vraiment fantastique, avec des grands tirages. C'était superbe. Donc, je vous conseille de voir ces photos. Si vous trouvez une exposition pas très loin, regardez le film. Voilà, une photo qu'on peut montrer, je pense, sans que ça soit censuré instantanément. Voilà, quelques photos plus paisibles de nu. Voilà, elle faisait ça également. Donc, c'est une femme qui a pris la photo à 40 ans, qui l'a vraiment appris, la photo. Hein, c'est-à-dire qu'elle s'est acheté un appareil, elle le dit elle-même, une espèce de Pentax qui valait pas forcément grand-chose. Et elle a appris elle-même, elle a travaillé comme ça. De fil en aiguille, elle a pu travailler pour la presse, elle connaissait un petit peu Pierre, Paul et Jacques, qui l'ont introduit. Elle raconte ça assez bien dans sa bio. Elle a réussi à approcher des scènes de crime, ou alors ces fameuses veuves de mafieux, parce que c'était une femme aussi, parce qu'elle était, elle avait une approche peut-être plus compatissante, plus empathique, ce qui lui a permis de faire des clichés incroyables de veuves éplorées, de femmes pleurant leur mari qui venait juste d'être abattu. C'est assez incroyable. Je pourrais vous montrer toutes les photos quasiment qui sont vraiment. Quelqu'un disait haute vie, tu disais c'était des photos assez saisissantes. Oui, c'est ça, c'est la Sicile de l'époque, des années 70. Voilà. C'est pas une mise en scène, hein, c'est voilà. une veillée funèbre. Elle s'introduisait comme ça auprès de ses familles. Souvent mafieuses, voilà, des enfants qui défilent avec des armes que leur avaient remises leurs parents. Voilà, c'est une époque. C'est vraiment, ça retrace une époque. Voilà, je vous conseille ce bouquin-là si vous ne connaissez pas. Jean-Louis, je connais tes racines italiennes. Je ne sais pas si tu connaissais, si ça te parle. Non, si je ne connais pas, mais j'aime bien tout ce qui touche à la mafia, les romans, les films. Ouais, dernièrement, j'avais chroniqué un ouvrage historique sur les. Alors là, c'est que sur la mafia italienne, ce que tu nous parles, ouais. Mais sur ouais. Toutes les mafias dans le monde. Et franchement, je trouve ça. Très intéressant, ouais. Mais je connaissais pas du tout, par contre. Hein. J'ai vu que sur Amazon, il y avait une anthologie, qu'elle avait fait une anthologie aussi. Tout à fait, il y a vraiment très belle photo. Un peu plus cher, évidemment, mais qui est encore plus gros. Ouais, c'est des livres qui coûtent 50, 80 euros, mais c'est des beaux tirages. Mmh. Voilà, là, encore une maman qui pleure son enfant qui travaillait, on peut dire ça, dans la mafia, effectivement, et qui a été abattu. Voilà. Elle est aussi dans le film, je crois, The Mafia, la première fois. En 1974, où elle était confrontée à un meurtre, donc elle a été appelée. Elle est allée sur le lieu pour faire cette photo, et c'est un cliché aussi que j'ai pas forcément noté, avec un homme allongé sous un olivier comme ça. Il était là depuis plusieurs jours, et elle raconte que voilà, il y avait l'odeur, il y avait tout ça. Il y a cette photo qui en ressort, qui est stupéfiante aussi, hein, qui rend fantastique. Voilà, je vous le conseille largement ce livre, mais pas nécessairement hein, tout ce que vous trouverez sur Laetitia Battaglia. Voilà, celui-ci vient directement de l'expo hein, qu'elle avait faite à Venise, mais il existe aussi sur Amazon, Fnac, chez les libraires. Ouais. Je suis sûr que si vous allez chez votre libraire, il vous le commandera sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas. J'y connais rien à la photo, mais vu de l'extérieur, seul le sujet et le contexte comptent pour faire une bonne photo. Voilà, c'est ça. Le matos, ça joue, hein, mais l'œil, la mise en scène. Le contexte, effectivement, ça compte. Et effectivement, le musée s'appelle les Tre Occhi. C'est à Venise et c'est super. Il y a toujours des belles expos de photographes dont je vous parlerai peut-être dans un futur proche. Voilà. Est-ce que ça... Voilà, Nathalie, David, toi qui... Ah, moi, je ne connaissais pas, mais ça a l'air... qui bosse dans le droit, on va dire ça. Ben oui. La non, mafia. Il y a un droit plus calme. Hein, plus calme. Oui, voilà. Confronté, j'espère, à la mafia. Non, mais. La mafia normale. Voilà, c'est très percutant, c'est magnifique. Et c'est, au-delà des photos, effectivement, c'est. Quelque part, c'est de l'histoire. C'est l'histoire de la Sicile, c'est l'histoire de l'Italie, c'est l'histoire de ces, on va dire, petits gens qui ne font pas forcément à la une, sauf ceux qui meurent, hein, mais. Et qui sont là et qui ont fait. Elle a fait des choses aussi, elle a fait des photos en Turquie aussi, elle a fait beaucoup de choses. On a encore des veuves éplorées là. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes hein, pour le coup. Incroyable. Ouais. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est rare qu'elles soient photographiées dans leur malheur, ouais. Comme vous savez, comment sont les Italiens, et particulièrement la mafia. Hein, donc vous imaginez bien, pour approcher ces gens-là, elle a dû montrer largement patte blanche. Chouette couverture, effectivement. J'étais la grenouille qui est photographe et qui est donc sensible à l'art photographique.
Voilà, je te conseille ça. C'est de la photo documentaire, mais aussi quelques portraits. Hein. Il y a des photos qui sont magnifiques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Laetitia Battaglia, une dame qui a 86 ans, qui fait toujours de la photo. Mais plus de la mafia. Hein. Elle est un petit peu rangée des voitures. Je lui souhaite en tout cas. Voilà pour moi. Est-ce que il y a des gens qui jouent toujours au concours là ? Rappelez-vous, il y a un petit concours, vous tapez ticket dans le chat. Et Honor Pitch, je ne sais pas ce que tu racontes. Oui. tu n'as pas tort. T'as déjà joué, Marie, tu peux avoir qu'une participation, t'inquiète pas. C'est bon, on en était à Jean-Louis, je crois, dans notre tour de table. Ouais. Donc là, moi, je vais vous parler d'un roman graphique ou d'une bande dessinée, enfin roman graphique, sur David Bowie, du coup, pour le coup. Alors, c'est sorti en octobre dernier, je crois. Ouais, c'est ça. Chez un éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Huguin et Menin. Les auteurs, il y en a trois, hein, Steve Orton, Laura Alred et Michael Alred. Alors, Michael Alred, Laura Alred, c'est mari et femme. Hein, il y en a un qui est le mari est dessinateur, et puis la femme, elle colorise les dessins de son mari. D'accord. Donc, évidemment, toutes ses pages sont en couleur. Hein. Alors, évidemment, Mike Alred, c'est un grand fan de David Bowie, parce que je pense qu'il ne se serait pas lancé dans une biographie. On va voir que c'est pas une biographie totale de David Bowie, mais il ne se serait pas lancé dans une biographie d'un artiste qu'il n'aime pas, a priori. Et donc, c'est une biographie incomplète, illustrée, évidemment. Alors, incomplète, pourquoi ? Parce qu'elle couvre, en fait, seulement la période 1966-1973. Alors, comme Bowie est né en 47, en 47, ça couvre donc la période où il avait entre 20 et 27 ans. Ah oui, c'est court. Alors, pourquoi ça s'arrête en 73 ? Alors, moi, je ne suis pas un grand connaisseur de Bowie, hein, j'aime bien Bowie, mais je ne suis pas capable de vous donner tous les noms des disques qu'il a fait. Je ne suis pas un spécialiste de Bowie, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à cet ouvrage, même si j'avais lu il n'y a pas très longtemps Non, il n'y a pas de dessin de Bowie décédé. J'avais lu une biographie qui était vachement bien de Bowie il y a un an, je crois, je ne me rappelle plus. Qui était là, pour le coup, qui était bien complète. Donc pourquoi 73 ? Les connaisseurs le savent, 73, parce que c'est ce qui ouvre le livre. En 73, a lieu un concert à l'Hammersmith Odéon, à Londres. Et lors de ce concert, il met fin au personnage de. Vous attendez que vous me disiez le nom, là, mais non, personne ne me donne. De Ziggy Stardust. Oui, Ziggy Stardust. Ouais. Et donc, ça va couvrir justement cette période-là. Donc, alors, j'ai appris pas mal de trucs avec, je reviendrai après sur les dessins. Alors, ça nous parle de tous les groupes qui ont travaillé avec lui, de tous les artistes qu'il aime bien, des premiers disques auxquels il s'accroche. Alors, ça nous parle du Velvet Underground. J'ai appris que son premier album était sorti à peu près en même temps que le Sgt Pepper des Beatles aussi. Alors évidemment, il n'a pas connu le succès de l'album des Beatles. Hein. Ça nous montre aussi qu'au début, il rencontre pas tout de suite le succès, qu'il fait des petits boulots, il fait des pubs pendant un moment. Il fait une pub filmé par un réalisateur qui est connu, mais je me rappelle plus. Il participe à une audition pour participer à la comédie musicale Air, mais il sera pas pris. Ensuite, ça nous parle d'un de ses premiers titres connus, là, ce qui s'appelle Space Oddity. Alors, du coup, on apprend, si on ne sait pas, évidemment, hein, on apprend que ça a un lien avec Odyssée des espaces, le film de Kubrick. Il y a eu une première version qui est beaucoup moins connue que la deuxième version qui a marché, qu'il a été repéré, donc cette version-là qui a été repérée par Mercury, qu'on lui a rapidement proposé un contrat et puis qu'on lui avait demandé de faire ce titre pour la diffusion en direct du premier pas de l'homme sur la Lune, pour ceux qui ne savaient pas. Moi, je ne savais pas, par exemple. Hein. Alors, Space Oddity, du coup, ça en parle pas mal, parce qu'il y a toute une histoire autour de ce 45 tours, du coup, qui a été diffusé hein, au moment du premier alunissage, là, en 69.
Il est présenté ce 45 tours de Space Oddity lors d'un concert des Rolling Stones qui a lieu, je ne sais plus en quelle année, mais c'est un concert des Rolling Stones qui était en hommage à leur guitariste qui meurt dans une piscine. Je cherche le nom du guitariste, Brian Jones. Brian Jones. Ouais, c'est ça. Et lui, Bowie, pendant qu'il y a ce concert, donc on voit les images hein, dans le livre, pendant qu'il y a ce concert des Beatles où est présenté son titre Space Oddity, lui, à ce moment-là, il est en train de voir la première du spectacle des Who, Tommy. Alors pareil, on voit des images du spectacle des Who, Tommy. On apprend qu'il aimait beaucoup Elvis Presley aussi, et qu'ils ont un point commun, David Bowie et Elvis Presley, c'est qu'ils sont nés tous les deux le 8 janvier. Alors pas évidemment à la même date, hein, il y a quelques années de décalage. On apprend que ce personnage de Ziggy Stardust aussi, il a été construit autour de d'autres musiciens appréciés de Bowie. Alors ça va de Iggy Pop, Lou Reed, Alice Cooper. On voit aussi qu'il fréquente Stevie Wonder, Elton John. Alors on voit aussi toutes les nanas qu'il a eues dans sa vie. Hein. Il y en a eu quelques-unes. Hein. Et encore, c'est qu'une courte période. Hein. C'est entre 20 et 27 ans. Hein. On apprend aussi que... ça parle aussi du duo qu'il fait avec Barbara Streisand, c'est elle qu'il sollicite pour chanter en duo Life on Mars. Et puis après, on voit donc cette période Ziggy Stardust avec la tournée qui débute en Angleterre, puis une tournée aux États-Unis, puis une tournée au Japon. Il y a plein de détails dedans. Il y avait aussi les Stooges qu'il aimait bien aussi, avec qui il a travaillé. Et alors les dessins sont plutôt sympas, je trouve. Alors, elle n'est pas très grosse. Hein. Je ne sais pas où il y a un numéro de page, parce que ce n'est pas numéroté. Ça m'agace un peu. Quoi. Et... non, pas du tout, mais c'est une petite... Enfin, en page, je pense qu'il y en a 150-200. Franchement, les dessins sont vraiment beaux, hein, je trouve, sur le personnage. On apprend aussi un moment qu'au tout début de sa carrière, il participe à un film et puis il pensait avoir l'un des premiers rôles, donc il se coupe les cheveux, donc il se retrouve avec les cheveux très très courts, ce qu'il n'était pas habitué à avoir, et puis en fait il était pris pour faire figurant, et puis en fait on le verra à peine dans le film, quoi. Donc en gros il s'est coupé les cheveux pour pas grand chose. Vous voyez ce qui est autour du personnage de Ziggy Stardust, et franchement du coup ça allait bien, je trouve, en complément du livre que j'avais lu, de la biographie. Peut-être que Marc Gounette pourrait nous retrouver ça, la biographie que j'avais chroniquée, qui s'appelle David Bowie. C'était, je ne me rappelle plus l'auteur. Voilà. Mais bon, franchement, je me suis régalé à lire et à en apprendre un peu plus sur ce personnage assez incroyable de David Bowie, quand même. Alors du coup, ça ne parle pas des autres albums. Hein. Après, il y a quelques bons albums que pourra nous citer David beaucoup mieux que moi après 73. Hein. Notamment dans les derniers, là, d'ailleurs. Le dernier est plutôt bien. Et les illustrations, ouais, franchement, c'est chouette. Hein. Les dessins sont vraiment très, 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 très beaux. La femme qui a fait la colorisation, là, c'est vraiment bien fait. Et non, bon, franchement, c'est un bel objet. Pareil, belle couverture, beau papier. Voilà. 22€, franchement, ça vaut le coup. Et l'arrière, vous voyez, très sympa aussi. Ah oui, en effet, oui. Effectivement, c'est une BD. Donc, effectivement, moi, je suis un peu comme toi, Jean-Louis. Je suis pas spécialiste hein, de Bowie. N'est pas Jérôme Soligny qui veut, mais j'aime bien écouter ses albums à peu près toutes périodes confondues, même les plus récents. Enfin, quand je dis les plus récents, voilà, il y a, y a, y a ouais, le Black Album là, ou je sais pas quoi, le dernier. Black Star, ouais, Black Star, Black Star, qui est ouais, très bien. Ouais. Donc là, ça couvre 7 ans de sa vie. Est-ce que ça, c'est une BD qui est bien pour les gens comme nous, c'est-à-dire on aime beaucoup, mais on n'est pas fan et on ne connaît pas sa vie par cœur? Je ou alors, est-ce que des gens comme y a Bowie ou Will qui doit être fan, est-ce que tu penses que ça peut parler au-delà de l'image? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu inédites dans ce qui est dit ou pas nécessairement? J'ai envie de te dire que j'ai du mal à savoir parce que moi, je ne suis pas spécialiste. Voilà, mais... Mais en tout cas, tu as appris beaucoup de choses, ça c'est l'essentiel. J'ai appris plein de trucs. Et alors, pour revenir à ce que tu parlais de photographie, il y a aussi il avait un photographe qui travaillait avec lui, là, dont ça parle beaucoup aussi dedans. Et on apprend pas mal de choses sur les pochettes de certains artistes. Par exemple, la pochette Transformer là, de Lou Reed. Vous voyez tous à quoi elle ressemble, la pochette de l'album Transformer. En fait, c'est une photo qui a été prise pendant un concert de Lou Reed par il s'appelait Mike Scott, je crois, le photographe. Et donc, il y a une autre photo aussi d'un album assez connu d'Iggy Pop où il est torse nu, là. Et pareil, c'est une photo aussi qui avait été prise par ce photographe de Bowie pendant un concert, quoi.
Donc, il y a plein de petites anecdotes qui sont sympas. Alors que, qui sont des anecdotes pour moi qui ne le sont peut-être pas, du coup, pour des gens qui maîtrisent mieux. Des choses, que... être évident. En tout cas, oui, ça donne envie. Et graphiquement, en tout cas, c'est superbe. Ah ouais, graphiquement, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'effectivement, j'ai vu passer quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui, peut-être, bon, c'est pas grave, qui disait est-ce que c'est pas un éditeur opportuniste qui a sorti un ouvrage pour parler de Bowie. Alors, bon, non, je crois que c'est un éditeur. Je suis pas si sûr que ça. Il n'aurait pas mis le paquet sur l'objet. En tout cas, non. Quelque chose je pense beau. Que c'est un éditeur qui fait des comics que moi je ne connais, que moi je connais pas. Mais même l'auteur, hein, que, quand je suis allé voir qui était Michael Allred, c'est un mec hyper connu dans les comics, hein, qui a fait plein de trucs que moi je ne connais pas, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste des comics. Mais si vous tapez Michael Allred, vous allez voir que le mec, il a un CV... Non, comme mes quatre bras, quoi. Quatre bras. Ah oui, t'as quatre bras, toi. Ça t'en fait du chocolat. J'en ai deux cachés. Là, donc, cas, non, voilà, non, je pense pas que c'est un éditeur. C'est... Moi, c'est un éditeur que je connais pas, mais c'est... Non, c'est pas un petit éditeur, je pense. Hein, David, Nathalie, c'est Bowie, c'est quelqu'un qui, pour vous, fait autorité aussi, ou en tout cas qui vous parle Mais moi, j'aime bien l'univers qu'il a réussi à créer à partir de juste lui, en fait. J'aime bien le fait de pouvoir créer complètement du neuf, un petit peu space parfois. Après, il y a le commentaire qui disait que c'était peut-être un éditeur opportuniste. Oui, peut-être, mais si c'est beau ce qu'il fait, qu'est-ce que ça peut faire? Après enfin, tout, ça fait, voilà, c'est pas ça un critère. Un ça a l'air très joli aussi. Ouais. Non, mais je crois. Donc, moi, je veux bien le gagner, celui-là. Alors, on a Bowie Oui aussi qui dit qu'il voudrait bien gagner la BD, effectivement. Ah, bah non, je gagne jamais. Dommage. Malheureusement, elle n'est pas à gagner. En tout cas, effectivement, ce que tu disais, Bowie, j'ai remarqué que tu disais à une ou deux reprises que les images avaient l'air magnifiques. Et effectivement, ne serait-ce que pour ça, ça a l'air d'être une BD vraiment sympa, même si on connaît tous les détails de sa vie. Voilà, si j'ai bien compris, c'est une BD qui couvre 7 ans de sa vie. Est-ce c'est que ça. Tu as des infos de l'éditeur confidentiel qui t'ont annoncé d'autres tomes, ou alors c'est vraiment un one-shot? Ils ont voulu vraiment, je pense, se focaliser sur la période Ziggy Stardust, quoi, sur ses débuts, et puis sur une grosse partie, c'est sur la construction du personnage de Ziggy Stardust. Ouais, donc, c'est non, ça, je ça. Pense pas que. Et après, il faudrait, à mon avis, il faudrait qu'ils fassent encore beaucoup de tomes, hein, s'ils sont aussi précis qu'ils le sont là sur ces 6 ans. Là, il va falloir qu'il fasse 7 ou 8 tomes, du coup. Oui, c'est ça, c'est l'encyclopédia universaliste de David Bowie. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Louis. Il y a une image à un moment, par exemple, qui est connue, à un moment où il joue de la guitare avec. Enfin, il y a son guitariste qui joue de la guitare, et lui, alors je ne sais plus à quel concert c'était, il joue de la guitare avec ses dents. Et c'est après que je crois que. Voilà, la fameuse pochette. Olé, olé, tout ça. Hein. La fameuse pochette de Lou Reed, là. Transformers, oui. Et celle de Iggy Pop, c'est celle-là, là, que vous connaissez aussi. Hein, celle ouais, tout ça, c'est dessiné, hein, parce que vous voyez, le Transformer, il est dessiné. En fait, il a redessiné les photos, ouais, c'est sympa comme tout. Ouais. C'est, le Transformers, on dirait vraiment la photo d'origine. C'est ça. Iggy Pop, on voit mieux que c'est plus que ça. Et en fait, c'est la photo de ce concert-là. Là. Vous voyez, à gauche, eh ben, on voit Lou Reed qui joue la guitare, et ben, c'est la photo. Là. Non, c'est vraiment, franchement, comme Elvis Presley, je ne savais pas qu'il était. Il aimait bien Elvis Presley. On a Audevie qui nous demande si c'est vraiment une BD full BD, quoi, c'est-à-dire des planches avec des dessins et des bulles, ou alors est-ce qu'il y a une partie où il n'y a que du texte? Alors il y a une préface d'un personnage qui s'appelle Neil Gaiman, que je ne connais pas trop. Bien sûr, oui. Et à la fin, par contre, on nous montre du coup. Qu'on comprenne un peu l'histoire de la colorisation de la femme, là, que c'est elle qui colorise. Je crois qu'on a des planches, attendez, je vais vous montrer. Je crois, mais tout le reste, c'est... Tout reste... Oui, ok. On a des planches, vous voyez, qui sont sans couleur. D'accord, sympa. Mais tout le reste, coloriage. C'est, c'est une pure BD, quoi. C'est ça, on peut faire du coloriage si on veut, ouais. Après, il n'y a pas tant de texte que ça. Des fois, il y a très peu de texte, hein. Vous voyez, il y a des grandes images... Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de page purement écrite qui raconte la vie. Non. Tout est dessiné. Non, c'est une BD pas comme l'autre fois. C'est pas l'autre fois comme ce que je vous avais présenté, comme le Château d'Hérouville. Bon, alors il parle du Château d'Hérouville, tiens, du coup. Parce qu'il y a un album, il y a un ou deux albums dans ses débuts qui ont été. Ça, c'est pour le petit lien avec Sylvain. Ils en parlent à un moment. Il y a deux albums qui ont été enregistrés dans le fameux Château d'Hérouville, là, dont nous a parlé Sylvain.
la dernière fois, mais alors du coup, c'est pas comme dans de, la BD. Michel Magne, les amoureux des roues. Vous avez eu un strike sur YouTube d'ailleurs, entre parenthèses. Ouais, c'est pas comme la BD Les amoureux d'Hérouville, qui effectivement, où au cours de la BD, on a des pages écrites qui nous racontent. C'est ça. Non, voilà, là, c'est le sens de la question, je pense. Voilà, là, il y a pas de texte, hormis la préface de Neil Gaiman. Mais je crois que Neil Gaiman, c'est un dessinateur de comics connu aussi, qui aime bien Bowie aussi. Mais hormis cette préface, et puis un petit texte à la fin qui. Neil Gaiman, c'est surtout livres, un auteur de livres. Ouais, c'est ça. Non, il y a pas de texte qui raconte. Vous voyez, c'est une BD, quoi, voilà. C'est voilà. Purement une BD, voilà. Chouette. Bah voilà, il y en a pas mal qui vont se l'acheter, je crois. Donc, 21 euros. Et pour le prix, franchement, 21 euros. Pour le gagner. Olal Ratal pense qu'il va se faire un auto-cadeau assez rapidement. Voilà. Un beau livre sur David Bowie qu'on ne présente plus, qui n'a pas forcément besoin de BD pour faire parler de lui, en tout cas ses ayants droit. Mais voilà, un bel objet. L'auteur de Sandman, exactement, par exemple. Ouais. Pour ceux qui habitent à Paris, il y avait une super expo Bowie à la Philharmonie il y a 3-4 ans, je crois. Il y a 3-4 ans, ouais, tout à fait. Ouais. Assez complète. Qui ouais, avec les costumes, les différentes périodes, parce que c'est ça qui est extraordinaire chez Personas Bowie, c'est le renouvellement. C'est pour ça qu'à mon avis, ils peuvent faire plusieurs tomes. Hein. C'est toute la période berlinoise, avec Iggy Pop, tout ça, ça peut faire une belle BD aussi. Ouais, complètement. Et à la base, c'est un truc anglais qui a été adapté en français aussi. Hein. J'ai oublié de dire, mais c'est sorti il y a un an et demi ou deux ans en Angleterre. Ils attendaient que ça sorte en français, et puis c'est. Huggin et Munin là, qui l'ont édité. Ouais. Mais c'est bizarre que ça n'ait pas été pris par une plus grosse maison d'édition de BD d'ailleurs. Bah, ils ont un catalogue de. Je crois que Sylvain le disait tout à l'heure, ils ont un catalogue, on va dire, pop culture assez impressionnant, c'est ça. Cet éditeur. Voilà. Donc effectivement, ils ont toute légitimité à éditer ce genre d'ouvrage. Voilà, en espérant qu'il soit distribué à sa juste valeur chez tous les bons libraires, parce qu'un livre, ça s'achète chez le libraire et un disque chez le disquaire, je vous le rappelle. Okay. Amazon, c'est pratique pour ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Ouais, du coup, j'ai eu du mal à la trouver au départ, parce qu'elle a bien marché, donc au mois d'octobre, j'arrivais pas à la choper. Et je l'ai chopé chez un libraire, ouais, du coup. Ouais. Très bien. Bowie, tu peux nous rappeler le titre? C'est juste Bowie, d'ailleurs. Bowie, en BD, voilà. C'est très simple, avec une belle pochette aussi, évidemment, très emblématique de David Bowie. Ouais. Chouette. Merci beaucoup, Jean-Louis. Eh bien, est-ce que c'est photo dans... Jean-Louis, je fais juste une aparté. C'est la photo dans mon bureau. Dans mon bureau, j'ai une photo de David Bowie et c'est... Ton bureau a le travail, quoi. Au travail, ouais, tout à fait. Moi, j'ai Tchoupi. Ouais, on a chacun. Et toi, t'as pas trop le choix, ouais. Chacun ses idées. C'est moins subversif, encore que, je sais pas. Il y a peut-être une seconde lecture à Tchoupi. Ah, mais voilà. Nous en apprendre de belles, tiens, j'ai envie de te dire. Indémodable et intemporel, nous dit-on. Bah ouais. C'est vrai. Nathalie, puisque tu parles et qu'on a l'air d'être dans un bon mood avec ton réseau, est-ce que tu ne prendrais pas la parole? Si, je vais prendre la parole. Alors moi, je vais vous parler musique. Un vinyle qui est sorti hier, donc il est tout frais, tout chaud. Ça s'appelle Dry Cleaning. Leur album s'appelle New Long Leg. Je vais faire plaisir à David, j'ai entendu. Ouais. C'est mon coach musique qui m'a dit « Oh tiens, il y a ça qui est sorti hier parce que… » Et du coup, voilà. Donc, l'histoire commence en 2017, donc c'est tout jeune. Donc, trois bonhommes, je vous dis que leurs prénoms, hein, si vous voulez les noms, vous allez chercher sur Internet. Donc, Tom, Lewis et Nick se retrouvent pour une soirée karaoké. Ils jouent de la musique, donc ils font des instrumentaux. Et du coup, ils écoutent, c'est très beau, c'est harmonique, c'est lyrique. Et ils ont une copine qui s'appelle Florence. Quelques jours plus tard, elle écoute les parties instrumentales et elle lit des notes et des paroles qu'elle a écrites. Et en fait, ils trouvent que ça rend très, très bien. Du coup, l'album est né. En 2019, ils ont sorti deux EP et donc là, en 2021, sort leur album. C'est alors la petite étiquette qui va bien, c'est post-punk féminin. C'est-à-dire post-punk, donc c'est toujours batterie, guitare, basse et voix. Et en fait, c'est là, vous entendez, c'est la basse qui donne le rythme.
quelque chose d'assez entêtant, assez obsédant. Je trouve que c'est quelque chose qui s'imprime bien, qui s'imprime au corps. Et à côté, il y a la voix de cette Florence qui est monocorde, mais en fait, elle n'est pas monotone. Et c'est toujours cette facette. Cette chose-là. Il y a quelque chose, et puis ça sort un peu des ouais. canons de ce qui se fait actuellement. Ouais. Hein. Ça ouais. sort un peu des Fontaines d'ici, des trucs comme ça ouais. qui marchent bien. Des Seaford Mods et tout ça qui marchent très bien. Il n'y a pas de souci. On ouais. aime tous ça. On en a parlé récemment avec toi, David, encore. Mais là, il ouais. y a un truc. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, mais on est plutôt jeune autour de cette table virtuelle, malgré si. Tout. Si, Nathalie, si. t'es encore jeune. Effectivement, ça nous parle doublement parce que c'est quelque chose qui nous rappelle des choses qu'on écoutait il y a 20 ans, il y a 25 ans, oui. voire un peu plus. Et ouais, c'est chouette, c'est plutôt réussi, Dry Cleaning, effectivement. Ça me fait plaisir que tu parles de ça, Nathalie, moi aussi, parce que c'est un chouette album. Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est quelque chose que j'écoutais pas et qui, pour moi, est nouveau. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout nouveau. Donc, il faut que je creuse un petit peu dans ce qui se faisait avant pour comprendre ça ouais, peut-être pour mieux. Un peu les ficelles et retrouver ouais. un peu des pistes pour avoir des... un peu d'historique. Jean-Louis, on l'a pas entendu, je crois qu'il est séché sur place. Non, non, mais moi, j'écoute pas non plus ce genre de musique, et ça me va mieux que voilà, c'est ça. Bon. Ouais, on est jeune depuis plus longtemps que les autres, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, mais c'est revendiqué, super choix, super disque, voilà. 4AD, on dira merci à... Qui est ton coach ? Ton coach. C'est Eric qui me l'a dit. Ah, c'est Eric ton coach. Bah oui, c'est un bon coach, Eric. Toujours. Ah, mais il est bon, hein. Ouais. Ouais, c'est un bon coach. Est-ce que, là, il est bon. Très belle découverte, nous dit Paola, qui, elle aussi, à mon avis, est très sensible à ce genre de musique, qui connaît bien 4AD, qui connaît bien ce genre de musique aussi. Donc, c'est. On a l'aval. Si on a l'aval de Paola, c'est que tout va bien. C'est bon, ouais. Cool. C'est un peu du vieux rock de Boomer, nous dit Onorbit, qui nous provoque bien. Depuis tout à l'heure, très gentiment. Ouais. Tu n'as pas tort, mais le tout, c'est que ça plaise. Rising chez 4AD, c'est sorti effectivement hier ou aujourd'hui, un truc comme ça. Ouais. Hier, il y a plein de disques qui sont hier sortis. Hier, c'était une journée de fou, hier. Bah, ouais, non, hier. Pas plus. Dry Cleaning, Godspeed, c'était une journée de fou hier en sortie de disque. C'est vrai. Et oui, mais c'est avant la fin du monde. Après, on est tous enfermés chez nous. Tu crois ? Ah oui, donc il faut écouter de la musique. Tout se tient, en fait, tout se tient. Oh bah oui. Et si c'était un complot de l'industrie musicale pour nous faire acheter des disques à écouter chez nous ? Ah non, obligé. Ah mais si, c'est obligé. Et des éditeurs de bouquins. Mais oui, c'est ça, maintenant qu'on y pense. Ah mais hier, c'est une sacrée journée. C'est cousu de fil blanc, cette affaire. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette découverte qu'on va s'empresser d'acheter. En tout cas, moi, je vais m'empresser de l'acheter. Enfin, pas tout de suite, parce que je suis poli et je vais attendre la fin de l'émission. Hein, mais je vais l'acheter, ouais, super disque. Merci beaucoup. Et je crois que c'est à David. Oui, c'est à moi. Yes. Alors, moi, je vais vous présenter un livre. Un livre sur un livre sur un courant musical qui est le rock fusion. Un livre qui a été écrit par Jean-Charles Desgroux, qui est sorti chez Le Mot et le Reste. Jean-Charles Desgroux, c'est un journaliste qui a écrit pour Rock Sound, pour Rock and Folk. A priori, il a dû commencer dans Rock Sound. Rock Sound, c'était un mensuel dans les années 90-2000. Alors moi, je le lisais pas mal. Qui traitait du gros son et qui traitait de ce style musical, le rock fusion. Et encore une étiquette. Voilà. Alors, mais justement, c'est le courant musical où finalement, c'est une sorte de partout sonore, où tous les courants se marient. Donc voilà, finalement, ça va contre toutes les étiquettes de rock fusion. C'est pour ça que j'aime bien ce style. Donc, quatre disques en couverture qui viennent illustrer la chose. Face No More, avec Mike Patton, dont on a souvent parlé. Les Red Hot Chili Peppers, qui est le groupe le plus mainstream dans cette catégorie. Rage Against the Machine. Et puis, un autre groupe qui est sorti au milieu des années 90, qui s'appelait Korn. Le livre, il se décompose de deux façons. Première façon, un historique, avec
on va dire, la naissance un peu de ce style musical par l'extrait qui est en train de passer, qui est Walk This Way de Run DMC avec Aerosmith. Et alors, j'ai choisi cette illustration sonore parce qu'au départ, c'est ça l'Europe Fusion. C'est le rencontre de deux mondes historiques. Et ensuite, deuxième partie, où là, ils nous présentent des disques. C'est fait de façon chronologique. Donc, ça commence avec Run DMC, le titre que je viens de vous présenter avec ce disque. C'est leur premier album. Et ensuite, ça va jusqu'à Fever 333, qui est un groupe récent, un groupe qui a sorti un disque en 2019. Donc, on a comme ça peut-être une centaine de disques. On a Body Count, qui est un groupe avec, pareil, Body Count, le leader, c'est Ice-T. Ice-T, c'était un rappeur, c'est toujours un rappeur d'ailleurs. Donc on a Body Count, on a Rage Against the Machine, bien évidemment, en 1992. Énorme claque, quand on est dans les années 70 comme moi, je pense que pour beaucoup de monde, quand le disque est sorti, ça avait été une grosse claque dans la gueule. Vous avez des groupes un peu moins connus comme Sensor, qui était un groupe anglais avec un côté un peu électro, pareil dans les années 90, Urban Dance Squad. Je ne vais pas tous vous les faire. Donc, c'est fait sur deux pages à chaque fois. Donc, à chaque fois, on a une présentation du groupe avec un petit avis critique. C'est-à-dire que parfois, il va dire, tiens, ce groupe-là, bon, c'était pas mal. Sans plus, voilà, il y a vraiment un regard critique sur le groupe. La pochette du premier disque, la plupart du temps du premier disque, et puis il nous conseille les disques qu'il faut écouter. Objectif, donc le livre coûte 22 €, il est très complet. Moi, j'avais pas spécialement vu le livre sur ce courant, mais qui finalement n'en est pas un. Genre, là, moi, je vous ai parlé un peu du mariage hip-hop et rock, mais j'aurais pu faire la même chose sur le funk et le rock, sur le jazz et le rock. Et c'est ça le rock fusion, c'est que finalement, il n'y a plus d'étiquette, tout explose, et Public Enemy peut aller jouer avec Slayer. À mon avis, la seule limite, peut-être, c'est que je pense quand même que c'est peut-être le public rock qui reste attiré par ce son-là. Et c'est ça qui serait intéressant, c'est de savoir si vraiment le gars qui aime Public Enemy, est-ce que derrière, il dit, tiens, je vais aller écouter ce que fait Anthrax qui chante avec Public Enemy. J'en suis pas totalement certain. Mais voilà, donc c'est un livre qui est très complet. Évidemment, le journaliste s'y connaît très très bien. Il y a rien à dire. Bon, il y a peu de groupes français parce que voilà, il y a peu de groupes français dans ce courant musical. On en a un, j'en ai plusieurs, mais un surtout qui s'appelait FFF, qui était un groupe pareil dans les années 90 qui avait eu un beau succès avec un mariage funk et rock. Mais voilà, vous avez peu de groupes français et moins de groupes actuels puisque c'est plus vraiment un courant musical qu'on entend beaucoup moins, quoi. Voilà. Donc, on se rend compte, quand on regarde un petit peu sa discographie, on se rend compte que les années 2010 et voilà, à partir de 2010, ça disparaît un peu. Le seul groupe majeur de l'époque, c'est un groupe qui s'appelle Prophets of Rage, mais c'est un groupe qui est composé de membres de Rage Against the Machine, tous les membres de Rage Against the Machine sont un peu chanteurs, de Public Enemy, Chuck D, un des leaders de Public Enemy, et d'un membre de Cypress Hill. Donc, ça reste quand même un groupe de vieux, quoi. Voilà. Bon. Mais voilà, moi, c'est un bouquin que je vous conseille. Alors, je serais pas peut-être très objectif parce que j'aime beaucoup ce courant musical. Ça m'a rappelé ma jeunesse, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh merde, oui, Sensor, c'est excellent, Sensor. Donc, je vais réécouter du Sensor que j'avais pas écouté depuis 15 ans. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé ce courant musical, foncé, mais je pense qu'on a tous aimé ce courant musical parce que vous avez tous écouté, beaucoup de monde ont écouté les Red Hot dans les années 90 ou Rage Against the Machine. Donc, allez vous plonger dans ce livre-là, vous allez probablement découvrir d'autres groupes
et qui vont vous plaire. Et puis j'ai bien aimé son et puis toute la partie historique. C'est pareil, j'ai bien aimé sa partie historique. Voilà ce que eh bien, c'était la passion qui parlait là. Ah c'est oui, oui, encore. Je me limite parce que je pourrais en parler des heures. Hein, mais... Oui, ouais, c'est ce qu'on nous demande dans le chat, hein, de faire une émission spéciale avec Metal David, c'est ton nouveau nom, ouais. Pour nous parler de tout ça. C'est chez Le Mot et le Reste, un éditeur voilà. remarquable en termes de bouquins sur la musique, notamment. On en parle régulièrement ici. Oui. Effectivement, tu parlais d'Aerosmith et Run DMC il y a quoi ? Il y a 35 ans ? Il a combien ce morceau ? 40 ans peut-être ? Aujourd'hui, c'est ça, ouais, 30 ans. Aujourd'hui, on a Indochine et Christian the Queen qui chantent ensemble. Hein, ouais. Tu vois mm. Alors, tout à fait. C'est ce qui dit pas. Genre, Jean-Charles Desgrouches, je ne sais pas s'il verra l'émission, mais j'adorerais parler avec lui parce que je pense qu'on a la même passion. Alors voilà, c'est un appel. Oui, ça mais c'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, alors le Wu-Tang Clan par exemple a fait, mais Wu-Tang Clan c'est plus un groupe récent, Wu-Tang Clan a fait des titres avec des groupes de rock, mais est-ce que, je sais pas moi, un Booba, il va aller faire un titre avec un groupe de rock, j'en suis pas certain, mais bon j'aime plus trop le hip-hop actuel, donc c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que même moi qui aime le rock, le hip-hop actuel ne m'attire plus, alors c'est peut-être réciproque. Peut-être que finalement, voilà. Tout ça a un sens finalement. Ouais. Super bouquin en tout cas, je pense que tu as convaincu la moitié du chat. Moi aussi, tu m'as convaincu, ça a l'air d'être vraiment chouette. Ça nous fait replonger encore une fois dans nos jeunes années. Hein. Désolé, ça fait un peu vieux con, mais pourtant c'est comme ça, on ne va pas renier son passé. On n'est pas dans Oui. Jean-Louis, Nathalie, c'est un style de musique qui vous parle. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas inconnues dans ce dont on a parlé David. Alors j'avoue que je connais presque aucun groupe cité, mais du coup le livre m'intéresse bien parce que ça a l'air d'être au moins un bon bouquin de culture de la musique et c'est toujours intéressant. Exactement. Je risque de tomber en passion pour FFF ou je sais plus qui. Bon, peut-être pas FFF, mais. Ah bon, d'accord. Ah si, je connais celui-là, Rage Against the Machine aussi. Si quand même, je suis pas non plus. Mais non et après. Elle est non, là la FFF, plante, hein, elle est pas là. FFF dans les années 90, il y avait une chanson qui s'appelait Barbès. Je blaguais avec Sico là sur FFF, mais j'ai des albums, il faudrait que j'y retrouve, mais je les avais. Il y en avait un qui était tout bleu, je me rappelle. Ouais, c'est le meilleur. FFF, hein, voilà. Ouais, et j'ai vu un concert des Red Hot Chili Peppers au Parc des Princes, je ne sais plus quand, mais très bien accompagné, je me rappelle. Voilà, et j'avais bien aimé. Ouais. Qui était bien accompagné, toi ? Ouais, un bon souvenir. Ouais. On ne veut pas savoir. Je n'en dirai pas plus, ça fait partie de mes mystères que je dévoilerai peut-être à Sylvain. Barry, regarde cette émission. Ouais. merci. Mais c'est un moment, hein. Red Hot Chili Peppers au Parc des Princes, ça devait être, je sais pas, j'irai dans les années 2000 peut-être. Mm. Ouais, chose comme ça. Il y a 20 ans, quoi, déjà. Ouais, c'est ça. Il y a 20 ans déjà. Hein. Mine de rien. Merci beaucoup David pour cette chronique passionnante et passionnée, assurément. On a fait un tour de plus, on va attaquer le dernier et donc ça va être à moi. Où est-ce qu'on en est du concours, hein ? Est-ce qu'il nous reste du temps ? Est-ce qu'on fait le tirage au sort ? Je ne sais pas où on en est, je ne sais plus. Je suis perdu. Alors voyons voir, j'espère que ça fonctionne. Il nous reste, ah ben non, on est arrivé au bout, hein. Le concours est terminé. On fera un petit, écoutez, on va faire un petit tirage au sort à la fin du dernier tour. Comme ça, on saura qui a gagné. Il y a pas mal de gens qui ont joué, ça fait plaisir en tout cas. Moi, je vais vous parler de musique en fait, pour changer un peu. Il y a eu des bouquins, il y a eu des livres, il y a eu des films. Moi, je vais vous parler de ça. Encore un disque qui est sorti le 2 avril. Olivier. Rocabois goes too far. Olivier Rocabois va trop loin. Est-ce le cas ? Eh bien, justement, c'est ça le truc, c'est que non. La réponse est non. Il ne va pas trop loin, Olivier Rocabois. On le connaissait peut-être avant. Vous le connaissiez peut-être avant sous le nom du groupe de All If, A2L IF.
Aujourd'hui, donc, il est sous son propre nom. On le voit ici dans le clip, Olivier Rocabois, en train de jouer du piano. Là, c'est un morceau avec John Howard en guest. Je vous laisse écouter quelques instants. But I needed to talk about something new. I meant what I said, but you didn't seem to understand. Never really felt the same. Oui, c'est un son français, c'est un musicien français qui chante en anglais. Ça m'embête de parler parce que justement la musique parle d'elle-même. Donc Olivier Rocabois, il a bien digéré son petit XTC illustré, son petit Divine Comedy illustré, son petit Aïe Lamaze illustré. Enfin, on peut en passer plein. C'est de la pop magnifique, orchestrée, avec des vrais instruments, des vrais musiciens qui jouent. Très bien arrangé, c'est très beau. Évidemment, j'adore. Alors pourquoi je disais Ghost Too Far et non ? Parce qu'on pourrait croire que c'est arrangé tellement que ça en devient guimauve, que ça en devient. Je te rajoute une couche de violon pour faire joli, je te rajoute un petit instrument avant. Et jamais. Mais un petit peu comme justement Divine Comedy, ou encore une fois XTC, hein, qui, enfin, ça me fait beaucoup penser à XTC, ce qui fait. C'est jamais trop. C'est ça qui est complètement étonnant. C'est que tu as l'impression que tu vas mourir sous des couches d'arrangement, et en fait, bah, pas du tout. C'est toujours sublime. Alors, on a une chronique qui va arriver dimanche de Jérôme Lenoise, qui dit à peu près la même chose, donc ça me rassure. Qu'est-ce qu'on nous dit, John Howard, le poil léger des Fatal Picard? Non, c'est pas ça. Mais ça aurait pu, effectivement. Écoutez ça, c'est superbe. Voilà. Il n'y a même pas besoin de chronique, il suffit d'écouter. Je pense que si vous n'aimez pas ça, c'est qu'à l'intérieur de vous, votre cœur est décédé. Alors, il y a un petit côté, effectivement, Philippe Catherine, parce que ils ont un peu un point commun capillaire et la moustache, effectivement. La photo de pochette, beaucoup moins. Et puis voilà, la musique, ça ressemble pas à Philippe Catherine. Ah non, la musique, pas du tout. Là, je pense que c'était simplement pour le look moustache, cheveux un peu longs dans la nuque. Musicalement, non. Donc, oui, effectivement, moi qui adore donc XTC, la Aïe Lamaze, Divine Comedy, enfin des choses très très orchestrées, en fait, une belle pop comme ça, avec des chansons qui coulent de source. On parlait tout à l'heure des paroles qui n'étaient pas qui n'était pas forcément importante, il suffisait de secouer la tête sur Hit Hit Anita. Ben là, j'ai envie de dire, les paroles, elles sont dans le disque, hein, d'ailleurs. Ici, je pense. Voilà, les paroles sont dans le disque. Mais même si on comprend rien à l'anglais, même si on n'a pas envie de lire les paroles, on se laisse tellement porter par le chant et par la mélodie. Enfin, c'est sublime, quoi. Il pourrait bien chanter en n'importe quelle langue, en fait, on s'en fout complètement. Vous faites une liste de courses à la fin avec la note pour pouvoir justifier tout ça à notre banquier. Bah écoute, ça fait plaisir si effectivement c'est un peu le but, hein, c'est de vous faire découvrir des choses et que vous les aimiez. C'est magnifique. C'est un auteur, compositeur et interprète français qui a très 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 bien digéré ses influences, ses amours anglo-saxonnes. Hein, c'est vraiment superbe, c'est assumé. Il y a quelque temps, je parlais de ça à propos de je ne sais plus quel artiste qui était français, mais qui assumait ses influences, qui assumait ses amours et qui les retranscrivait parfaitement. Bah là, on est là, hein, on est dans quelqu'un qui gose pas tout fard du tout. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Voilà. La pochette est signée Pascal Buard, en parenthèse. Un magnifique designer de pochette. Et la photo, j'ai oublié, mais je vais aussi donner le nom du photographe. Je vais pas oublier deux fois les crédits. C'est Alain Bibal. Voilà. La pochette est superbe. Le dos est comme ça. Il est moins spectaculaire que le livre de Bowie. Voilà. Et Rocabois, ça s'appelle.
Est-ce que vous avez... Avoir. Ah, il n'y a pas de liens là pour savoir alors, ce qui va se faire. Si, 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 il y a des liens. Il y a des liens. Normalement, tout va arriver. J'avais envie de passer en plus ce petit morceau qui est plus représentatif et qui est magnifique. Voilà, qui s'appelle Hometown Boy, qui est bien sûr sur la face B. Écoutez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, Olivier Rocabois, c'est absolument superbe. Merci On Orbit. Voilà, donc le Bandcamp s'appelle parce que c'est son ancien groupe, donc n'ayez pas peur, hein, c'est bien le même. Si vous aimez la pop anglaise, si vous aimez Divine Comedy, si vous aimez encore une fois XTC, et puis on peut aller plus loin, hein, alors d'aucun site, évidemment Bowie, on en a déjà parlé, d'aucun site de Beatles, mais de toute façon, tout tire, toute la ficelle, tu parlais de ficelle qu'on tirait tout à l'heure, Nathalie. Voilà, évidemment, je dis pas que tout vient des Beatles, que tout vient de Bowie, que tout vient des Beach Boys, mais quand même, tout ce qu'on entend chez Olivier Rocabois, eh bien, ça vient de tout ça, ça vient de cette pop complètement luxuriante. Enfin, c'est, voilà, c'est beau. Voilà. Ce chant-là, tout seul, là, ouais, comme ça, beau, ouais. Qui arrive, c'est superbe. Voilà, Olivier Rocabois, pour moi, un des plus beaux albums là, de ce début d'année, là, magnifique. Voilà. Et merci Olivier, si tu passes par ici, j'ai reçu le disque hier en temps et en heure, magnifique. J'étais très content avec un petit 45 tours en plus. Voilà. Peut-être que je ferai des jaloux si je le montre. J'ai rien d'autre à dire si ce n'est foncez l'acheter en vinyle parce qu'il est beau. Mais si vous voulez l'acheter en numérique, c'est votre problème. Vous aurez la même musique. Elle sera aussi belle, aussi bien arrangée, aussi bien orchestrée. Voilà. C'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a touché? Ou alors est-ce que c'est vous êtes mort à l'intérieur? Merci. C'est très beau. C'est, ouais. C'est doux. C'est, j'aime bien. C'est vrai que le bonhomme, physiquement, il ne paye pas de mine. Mais en fait, c'est très beau ce qu'il fait. C'est vrai. Le bonhomme ne paye pas de mine, mais c'est très beau. Je vous invite aussi, je vous donne la parole, David et Jean-Louis, après, à aller sur son Facebook. On a dû vous le passer. Il a fait pas mal de sessions. Peut-être qu'il en fera une avec nous, d'ailleurs. Hein. Je vais lui demander. J'aimerais beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion. Avec Life is a Minestrone, notamment, ou même tout seul. Il a fait pas mal de sessions acoustiques ou plus ou moins acoustiques où il joue ses morceaux comme ça, sans toute cette orchestration. Pour autant, c'est des belles chansons. Voilà. David ? Ah oui, oui, non, ouais, ouais. Non, il y a une forme d'élégance. Non, moi j'aime bien les orchestrations comme ça. Je trouve ça beau. Non, c'est une belle découverte. J'étais en train de regarder justement où on pouvait l'acheter, tu vois. Donc, bah, moi, pareil. Très bien. Non moi, j'adore. Ouais, j'étais en train de regarder. Il en reste plus que 9 pour information sur le site. Ah oui, bah, dépêchez-vous parce que. Voilà. Sicolis nous dit que son petit cœur de rocker s'est un peu emballé. Voilà, ce qui, à mon avis, veut dire qu'il a bien aimé. Voilà. Ouais, ça je. Sylvain. J'ai 23 amis communs avec lui, c'est marrant ça. Donc, peu importe. Oui, bah, le monde du rocker ouais, est de la pop est petit. Hein. Oui, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que c'est vrai oui. Que du coup, bah, ça ne fait pas un public qui s'étend, qui s'étend. Non, alors, en espérant qu'ici, avec notre petite mare aux grenouilles, on arrive à faire un peu de capillarité et à faire découvrir ça à d'autres gens dans d'autres univers. Voilà, Olivier Rocabois, vous vous rappellerez, vous avez eu deux clips pour le prix d'un, parce que j'avais vraiment envie de vous faire écouter ces deux morceaux qui sont vraiment, vraiment superbes. Voilà. Ah, pas d'URL, ouais, désolé, il faut pas mettre d'URL en orbite. C'est dommage. Même si tu n'as pas fait exprès. Eh bien, super. On repart pour un tour, les enfants. On va faire juste le petit tirage au sort, si vous voulez bien. Puisque c'est à ton tour, Jean-Louis, donc c'est sur toi que ça tombe, le tirage au sort. Puisque c'est toi qui fais gagner le livre, tu peux nous le remontrer et puis je lance le tirage au sort. Ouais. Faut que je me baisse. C'est Lismour et ça s'appelle La rivière aux disparus, des disparus. Voilà. Avec un, ouais. avec une bannière signée Paula Hawkins. Paula Hawkins, voilà. Et vous aurez la bannière dans le colis. Hein, attention. Ah oui, oui. Alors attention, je clique sur le bouton Big Winner. Ouais. Donc je clique sur le bouton. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça va s'afficher dans le chat.
Eh bien, c'est Lilou 3333, tout simplement. Lilou 3333 qui a gagné ce nouveau roman de Lise Moore, La rivière des disparus. Bravo, bah, bravo à toi, Lilou. Tu es le ou la vainqueur. Comment on dit ? Oh, Lilou, ça fait fini. Gagnant ou gagnante, oui. Voilà, on t'enverra le. Bah, faudra que tu me chuchotes ton adresse. Et ou à Jean-Louis qui fera l'envoi postal. Bravo. Un ou deux, ouais. Et on avait quand même plein de joueurs aujourd'hui, ça fait plaisir. On avait 13 personnes qui ont joué, ça fait plaisir. N'hésitez pas à jouer. C'est gratuit, ça n'engage à rien et vous pouvez que gagner des petits morceaux de culture. Et ben avec plaisir, Lilou est toujours parmi nous, donc effectivement, ça valide. Parce que voilà, les tombolas où les vainqueurs partent avant, on n'aurait pas validé quand même. Fille, ok, et ben c'est gagné. Bravo, Jean-Louis. Tu sais ce qu'il te reste à faire, coller un timbre sur une enveloppe. Ouais, voilà. Et dans l'immédiat, il te reste à parler de ton dernier sujet. Ouais, alors moi, je vais finir avec un disque d'un artiste qui s'appelle Fabio Viscogliosi. Et son album s'appelle Caméra. Alors, c'est un disque qui est sorti en début d'année, il me semble, janvier ou février 2021. Qui coûte 13€ en CD, donc moi j'ai en version CD, et 18€ en vinyle, sorti sur un label qui s'appelle Objet Disque. Alors Objet Disque, c'est un label qui a été fondé, il me semble, par, je cherche le nom de chevaleresque, ça veut dire Rémi Poncet. Oui. C'est ça, hein, Rémi Poncet. D'ailleurs, je crois qu'il joue sur un morceau. Alors Fabio Viscogliosi, c'est un artiste un peu multitâche. C'est son quatrième album. Il en avait fait trois autres avant, Spatio, Phénoméno et Rococo. Je ne connais pas, mais que j'irai porter une oreille attentive dessus. Et c'est aussi un auteur de bande dessinée, qui a publié des trucs chez Actes Sud et chez l'association, notamment. Ouais. Et c'est aussi un auteur de romans. Et il a fait des romans, alors publiés chez Stock, il me semble, ses romans. Et il en avait fait un qui était très bien, qui s'appelait Mont Blanc, dans lequel il racontait, alors c'est pas gay, hein, parce que c'est un petit point aussi mort comme tu l'as fait tout à l'heure. Il racontait le décès de ses parents, parce que ses parents sont décédés dans le, vous savez, en 99, il y a eu un incendie dans le tunnel du Mont Blanc, un camion qui avait, et ben, il y avait eu une quarantaine de morts, et parmi les 40 morts, il y avait son papa et sa maman. Alors c'est un disque qui, il y a 10 titres dessus. Il chante, il y a des titres chantés en italien. Alors, évidemment, moi j'aime bien tout ce qui est italien, vous savez. Il y a des titres chantés en français et il y a un titre, je crois, chanté en anglais. Et il y a un titre instrumental, c'est celui qui donne son nom à l'album d'ailleurs, qui s'appelle Caméra. Alors c'est très très calme, ça, je pense que vous avez compris que quand je vous présente des choses, c'est toujours des trucs qui sont très très calmes. Hein. C'est pop folk, intimiste, épuré, très classe, très élégant, très italien en fait. Hein. Là, hein. Alors il y a des cordes dessus, et alors ça c'est pour S20B. Les cordes sur certains titres sont celles de, il me semble qu'il en avait parlé une fois, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais sont celles de Fred Palem. Il en avait parlé une fois, non? Bien sûr, plusieurs fois même. Voilà, le sacre du tympan, les fables de la Fontaine, etc. C'est ça. Ah, oui. Quand j'ai vu ce mot, ce nom, enfin cet artiste, je me suis dit, il me semble que j'ai déjà entendu cet artiste quelque part et que S20B en avait parlé. Donc il y a une reprise de Chet Baker à la fin de l'album. Il aime bien faire des reprises parce que sur ses albums précédents, il avait fait une reprise aussi avec un des musiciens de Blonde Red Dead. Oui, c'est ça, voilà. Je me demandais ce que tu... Oui, c'est ça. Il y a un titre aussi qu'il a fait et qu'on retrouve aussi sur l'album de Vanessa Paradis, puisque sur le dernier album de Vanessa Paradis, je ne l'ai jamais écouté, il avait écrit deux titres. Alors, des quelques fois, c'est un peu kitsch. Hein. Quand je l'ai écouté tout à l'heure, ces jours-ci, Barry m'a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Donc il y a des morceaux qui sont un peu kitsch, mais ça passe bien, je trouve. Les textes sont plutôt sympas. Il y a des morceaux qui font un peu penser à Ennio Morricone, au cinéma italien. Il y a des morceaux un petit peu plus groove, mais ça reste quand même très très lent.
Ça fait très Dolce Vita, très années 60. C'est calme, c'est reposant. Donc, moi, ça me va bien, quoi. Alors, la petite pochette, bah, pour info, bah, je suppose que j'ai pas été vérifié, mais je suppose que c'est lui qui l'a dessiné, puisqu'il est aussi dessinateur. Voilà, donc je connaissais pas. J'ai découvert ça un peu par hasard en fouillant sur Internet. Et puis, bah, j'écoute ça tranquillement quand je bosse. Ça ne m'empêche pas de bosser et ça me plaît bien. Oui, ouais, effectivement, je confirme, c'est bien son style graphique. Ses BD sur l'association ont toujours ce personnage de l'âne ou du cheval. Il y a souvent ce personnage-là qui le suit. Alors, j'aime particulièrement les titres qui sont en italien, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Là, c'est Mio Cuore, bah, c'est ça là, le titre qu'il avait écrit pour Vanessa Paradis. Ouais. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'était assez chouette. Alors, on nous demandait si c'était. Tu disais que c'était quand même pas gay au niveau des sujets. On nous demandait s'il valait mieux l'écouter du haut d'un pont avec 250 mètres de vide en dessous de soi, plutôt tranquillement sur une chaise longue. Je choisirais plutôt. Je pense que c'est plutôt tranquillement sur une chaise longue avec un petit apéro tranquille. Ouais. Ça me paraît pas mal. Alors, moi, je connaissais effectivement les albums précédents, Rococo notamment, et puis un petit peu ses BD. Et effectivement, j'aime beaucoup ce côté chanson qui n'en est pas. Hein. On parlait de pop avec Olivier Rocabois, alors on est plus dans effectivement des influences pop à la fois avec des choses qui viennent probablement d'Angleterre et puis des choses effectivement très italiennes, comme là par exemple, hein, cette rythmique, etc. Moi, j'aime beaucoup, je suis assez client. David, Nathalie. Moi, je trouve ça romantique. Tu dis kitsch, mais non, c'est. Non, je connaissais pas non plus. Il y a un ou deux morceaux, ça fait un peu kitsch, quoi. Mais après, ça, oui, il y a le côté romantique qui ressort. Ouais. Alors, on a une Italienne, là, Paola, qui nous dit, on dirait un étranger américain qui chante en italien. Je pense qu'il est quand même surtout français, hein, mais effectivement, il a des racines italiennes, donc peut-être qu'il parle pas vraiment beaucoup italien, mais en tout cas, plus que Alex Rossi, je pense. Pardon, je vous ai coupé. Je te redonne la parole. Non, oui, moi je disais romantique. Romantique, ouais. Ouais. David, c'est trop gnangnan pour toi. C'est pas assez de décibels. Ouais, je pense. Monte le son. Il n'y a pas de batterie là. Ça, c'est... Ah, il n'y a pas le batteur torse nu. En concert, il paraît que c'est fabuleux, quoi. D'accord, bon, écoute. Tout le monde est tout nu à la fin du concert, non? Ah, si tout le monde est tout nu, tout le monde, tout le monde est déprimé, quoi. Ah, pas forcément, la musique douce, c'est pas que pour déprimer. Oui, tu peux faire plein de choses aussi, non. C'est aussi parce que c'est beau. Oui, oui, oui. Moi, j'avoue que je peux avoir autant la chair de poule sur une musique douce que sur Mogwai. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Mais c'est de la belle chanson, du bel ouvrage. Lionel aime bien, apparemment, c'est pour vous. Non, Lionel, il est comme l'autre, David, hein, pas comme moi. Ah, Lionel, il est comme moi. Ouais, il aime que les trucs qui tapent. Les Italiens sont très pointilleux sur l'intonation. Voilà. ok. Eh bien, une petite découverte quand même. Fabio Viscogliosi, ça se prononce comme ça, j'espère, puisque le G, normalement, ne se prononce pas exactement comme chez nous. Ouais, c'est ça. Donc, on le passe comme ça, Viscogliosi, caméra. Et effectivement, il fait des chouettes BD. Hein. La dernière, en tout cas, la dernière que je connais en date, s'appelle Cascade, chez l'association. Je crois qu'elle est sortie l'année dernière. Voilà, je crois même qu'elle a fait Angoulême, mais je ne voudrais pas dire trop de bêtises. Donc voilà, je crois qu'elle avait été sélectionnée à Angoulême. Voilà, Fabio Viscogliosi, caméra, c'est ça. Caméra en français, avec un accent. Caméra, oui. Pas comme la chambre en italien. C'est ça. Peut-être qu'aussi il y a l'ambiguïté volontaire là-dessus, on ne sait pas. Merci beaucoup, Jean-Louis. C'est à toi, Nathalie. Oui, alors moi je vais vous parler d'un film, je crois qu'on n'a pas parlé de film encore aujourd'hui. Encore, effectivement. Un film Netflix, donc oui, il vous faut un abonnement, mais l'abonnement Netflix, voilà. Alors j'ai choisi le film juste avec le titre, c'était I Care a Lot, c'est un film de J. Blakeson, je ne le connaissais pas. Il est sorti en France en février 2021, donc c'est un film tout récent. Et le titre, je l'ai traduit par « Je m'occuperai bien de toi ». Donc, je me suis dit « Ah tiens, alors soit ça va être un espèce de mélo avec des licornes, des arcs-en-ciel ». Bon, à ce moment-là,
autant regarder un feuilleton Barbie, ou alors c'est ironique et ça promet quelque chose plein d'entourloupes avec des quiproquos. Et j'ai eu de la chance, c'est la réponse B. Donc le film commence, on est dans un tribunal, on voit une femme de dos, avec un carré blond très strict, vous savez, avec les cheveux où il y a pas comme moi là, il y a aucun cheveu qui dépasse, super droit, super rigide. Et donc la caméra arrive vers elle et il y a un espèce de déchevelé qui l'accuse de, on comprend pas trop quoi. Et il vitupère contre elle et elle a des grands yeux innocents. Et on voit que le juge en charge de l'affaire la déleste de toutes les charges retenues contre elle. Et là, on se dit, bon, ok, tribunal. Et puis, elle met des lunettes de soleil. Et là, on se dit, ouais, non, en fait, elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Et moi, tout de suite, j'ai plongé dans l'histoire. Et en fait, cette femme, elle s'appelle Marla. C'est la femme qu'on a sur l'affiche. Et l'actrice principale, c'est Rosamund Pike, l'actrice. Elle a le Golden Globe 2021 pour ce rôle, d'ailleurs. Elle est tutrice gériatrique. Enfin, c'est moi qui dis gériatrique. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'occupe des personnes âgées en perte d'autonomie. Des vieux en fait qui n'ont pas de famille, qui perdent leur indépendance. Elle est là pour s'occuper de leur prise de médicaments. Elle gère leurs rendez-vous, leur compte en banque du coup, et elle s'enrichit grave puisqu'elle les arnaque finalement. Donc sous ses airs de petit ange blond, c'est une sorcière. Elle a monté une entreprise d'arnaque à la personne âgée. Donc elle repère une de gentille mamie et elle a une superbe villa et du coup elle va là un petit peu arranger ce qu'elle lui raconte et cette mamie va se retrouver en quelque sorte séquestrée dans un EHPAD. Sauf que cette mamie, ce n'est pas la fille de n'importe qui, elle avait l'air sans famille et en fait, c'est la mamie, c'est le fils d'un gros mafieux, un type méchant. Et ce mafieux, c'est Peter Dinklage, c'est le nain de Game of Thrones. Alors, chaque fois que je le vois dans un film, celui-là, je fais haha. Et en fait, non, il est. Il fait vraiment, enfin, je trouve que c'est un rôle qui lui va super bien. Et lui, bien sûr, donc les gros méchants mafieux, on sait bien, ils n'aiment pas qu'on fasse du mal à leur maman. Donc là, c'est un film qui aurait pu passer, à mon avis, sur n'importe quelle chaîne en étant classé dans la comédie noire. Mais on est sur Netflix et c'est ce que j'aime bien, c'est le genre de film que je ne retrouve pas ailleurs, c'est qu'il y a d'autres rebondissements. C'est pas seulement cette Marla qui est tombée sur plus fort qu'elle. En fait, il y a des rebondissements. Donc l'histoire ne s'arrête pas au moment où on se rend compte qu'elle a essayé d'arnaquer la mauvaise mamie qui n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air. Et donc il y a des rebondissements de l'un à l'autre et la fin. Et ben en fait on garde 3 minutes de plus et c'est encore une autre fin. Et le fait que ça m'ait surprise, ça en a fait une histoire très très addictive. Ça dure 2 heures. Raconter comme ça, c'est de dire bon bah c'est l'histoire d'une femme qui ressemble à un ange mais qui est une vraie sorcière, d'un nain méchant et d'une gentille mamie. Et en fait, ça fait un trio de méchants. Et c'est une histoire de méchants qui s'en sortent, mais qui s'en sortent pas tant que ça. Et j'ai pensé quand j'ai vu le film, j'ai dit ah quand des fois les critiques aiment bien écrire en gros magistral sur les affiches. Et c'est un des rares films que j'ai vu pour lesquels j'aurais dit moi aussi magistrat. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, bien monté et très, très addictif comme film. Ça dure 2 heures, mais en fait, ça passe en 5 minutes. Je vous le conseille. On nous dit que l'héroïne est antipathique au possible. Et oui, mais ça lui va tellement bien, ce rôle. Voilà, c'est ça. Alors moi, je n'ai pas compris un truc. C'est quoi? C'est plutôt une comédie? C'est plutôt un thriller? C'est un mélange de tout ça? C'est une comédie? Alors, j'ai vu l'étiquette thriller. Noire, ouais. Pour moi, c'est une comédie noire. C'est pareil, ça fera pas rire tout le monde de dire oh là là, elle est méchante, elle arnaque les vieux. Oh bah dis donc, le nain, ouais, c'est un peu un cliché de dire que le nain est le chef d'un réseau mafieux. Mais justement, c'est de prendre ces préjugés de personnages et les transformer. Ils sont tous méchants dans ce film. Et on voit rarement des films avec des méchants. C'est trop souvent noir ou blanc. Alors que là, le film, il est tout gris, c'est tout mélangé. On s'attache à un personnage et 10 minutes après, on dit bah dis donc, quelle connasse celle-là. Et en fait. Et à chaque fois, ça tombe et ça change de personnage. C'est vraiment des jeux de un trio qui fonctionne très très bien, mais qui reste une comédie parce qu'il y a quand même un second degré dedans qui va pas jusqu'au thriller à mon avis. Thriller, pour moi, c'est beaucoup plus sombre que ça. Plus loin, ouais. On a jeté la grenouille qui dit que lui-même est vieux et sans famille au cas où quelqu'un veut carolote avec lui. Bah voilà, d'accord. Le film est bon, les acteurs sont bons, un film à voir, nous dit-on également.
Donc voilà, ça confirme ton choix. Moi, je ne l'ai pas vu, je peux pas en parler. La bande-annonce et surtout ce que tu racontes, c'est appétant, c'est sûr. On a envie de jeter un œil. Jean-Louis, David, vous connaissez? Non, moi, j'ai vu la bande-annonce quand j'ai vu qu'on allait en parler. Et je trouvais que la bande-annonce avait l'air très bien. Donc je pense que je vais la regarder demain soir. J'ai prévu de la regarder demain soir. Et puis cette actrice, là, Rosamund Pike, on l'avait vue dans Gone Girl où elle était, oui, impressionnante. Dans un clip de Massive Attack, mais bon, peu importe. Mais voilà, en plus, j'aime bien l'actrice. Donc, et puis, je trouve que ce côté comédie noire, ça m'attire bien. Ça m'a l'air un peu irrévérencieux. Je sais pas, ça m'attire bien, en tout cas. Non, oui, c'est irrévérencieux. Oui. Bon, profitons de cette blague de Kier Delpuyot un petit moment. Jean-Louis, David, un brushing. Un brushing. Voilà. Évidemment, on l'avait pas fait chaque fois qu'il y a Jean-Louis et David, voilà, il faut forcément la faire. Oui, moi aussi, ça m'a donné plutôt envie de le voir, surtout que c'est un film. Alors, vous savez, non pas mon aversion, mais enfin, ma non-attirance pour les séries. Là, un film, voilà, un one-shot, 2 heures, c'est plutôt agréable, apparemment. Il y a un nain, il y a une vieille, il y a une jeune. Ça a l'air marrant, quoi. Non, mais c'est ça. Ça, c'est du résumé. Hors contexte, ça fait bizarre de dire un nain, une jeune sorcière et une gentille mamie. Et en fait, voilà, non, ils ne sont pas vraiment ça, mais ils le sont un petit peu quand même. Ça, c'était marrant. Ouais. Intéressant, Arte. Et il y a de la violence aussi, nous dit-on, mine de rien. Il y a la mafia. Oui, mais elle n'est pas gratuite. C'est pas juste pour faire des tâches. Tu es capable de justifier la violence si elle n'est pas gratuite, Nathalie. Bravo, je ne te voyais pas comme ça. Ah. Elle sert l'histoire. C'est comme les nus. On voit beaucoup de nus qui ne servent pas l'histoire. Là, la violence sert l'histoire. C'est bon, j'ai réussi à attraper le coup, là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On reboucle sur la mafia de tout à l'heure, finalement. Donc c'est pas voilà. Mal. Oui, un film qui donne envie. Alors, effectivement, Netflix, hein, c'est toujours Netflix. Ça reste une chaîne de divertissement. Et le divertissement, c'est bien aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Divertissons-nous aussi un peu de temps en temps. C'est de la violence justifiée, nous dit-on, donc tout va bien. Tout va bien. Voilà. Si on a une attestation qu'on s'est écrite nous-mêmes pour dire j'étais violent, mais regardez, j'avais écrit que c'était justifié. C'était légitime. Ouais, la légitime défense. On est bien, on est bien. Est-ce qu'il y a des gens tout nus, nous demandons également. Je sais même pas. Ah mince. Pas de bouche, je sais pas. Bon, ben voilà, on a perdu des spectateurs. Sûrement, mais... Sylvain et Claire Delpuyot ne regarderont pas s'il n'y a pas de boobs. Voilà. merci beaucoup, Nathalie, pour cette découverte netflixienne et en tout cas cinématographique, quoi qu'on en dise. Eh ben, tout s'est bien passé pour toi, quasiment, à part au début, dis donc, incroyable. Il y avait du vent, il n'y en a plus. Voilà, ben c'est ça, tout tient au vent. David, je crois que c'est à toi. Oui. Pour le dernier sujet qui va faire polémique, évidemment. Eh ben voilà. Ben, alors, c'est tout à fait ça. Je vais parler d'un groupe qui divise vachement. Bon. Alors, il y en a qui détestent. Donc, alors, je vais le dire, c'est le groupe La Femme. Alors là, vous allez avoir qui vont s'exciter. Oh, La Femme, quelle horreur, c'est horrible. D'autres qui vont crier au génie. Oh, c'est le meilleur groupe de pop qu'il y a jamais eu depuis 10 ans. C'est assez étonnant la réaction par rapport à ce groupe. Vous mettez le disque sur Facebook. Voici une box. Et alors là, vous avez des commentaires à tire-larigot. Alors moi, c'est un groupe que j'aime bien. Je trouve ça bien ce qu'ils font. C'est pas pour moi le groupe le plus extraordinaire de ces 10 dernières années. Mais je comprends pas non plus pourquoi on les cloue parfois comme ça au pilori. Mais bon. Paradigme. Donc c'est leur 3e disque. Il est sorti hier. Il est sorti dans un label qui s'appelle Disque Pointu. La Femme, c'est assez curieux comment c'est composé comme groupe. C'est un peu un collectif quelque part. Genre, ouais. Vous avez 2 membres principaux, Sacha Gott et Marlon Magnier. C'est eux qui font... les chansons, les textes, les musiques. Et puis autour, vous avez plein de voix féminines. On avait eu Clara Luciani, maintenant, qui a une carrière solo et qu'on retrouve sur 2 titres. Ensuite, vous avez eu sur, je ne sais plus comment elle s'appelait, une autre jeune femme. Et là, c'est la petite fille de Jodorowsky, l'auteur d'Incal, etc.
Donc sa petite fille, elle fait de la musique et est assez présente en voix féminine. Donc, deux personnages principaux, ils viennent de Biarritz, ils sont connus au lycée, et puis autour, plein de voix féminines comme ça. Troisième disque, le précédent était sorti en 2006. Et donc là, c'est un extrait, c'est pour moi le meilleur titre du disque. C'est le premier extrait qui est sorti, avec des trombones comme ça. Je trouve que le titre ouais, est assez énergisant. C'était le premier extrait qu'ils avaient lancé, et qu'ils ont lancé il y a longtemps, et l'ont lancé au mois d'octobre. Et alors, c'est pas représentatif du disque, parce que le disque est un peu bordélique. Et d'ailleurs, vous avez une chanson qui s'appelle « Foutre le bordel », et finalement, il représente assez bien le disque, parce que c'est un disque qui part un peu dans tous les sens. Mais c'est pour moi ce qui fait son charme. Donc là, vous avez un titre avec des trombones, vous avez un titre qui s'appelle « Foutre le bordel », qui se veut un petit peu plus rock années 80. Vous avez des titres pop, puisque leur base au départ, c'est d'être un groupe plutôt pop. Vous avez un titre qui sonne un peu à la Ennio Morricone, qui aurait pu être l'illustration d'un western. Vous avez un titre où il a plutôt un phrasé à la Gainsbourg. Donc voilà, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est ce que j'ai aimé dans ce disque, finalement, c'est la diversité et ce côté bordélique. Alors je sais pas si c'est assumé, mais en tout cas c'est ce que j'ai bien aimé. Il y a une petite baisse de régime, il faut le reconnaître au milieu du disque. Il fait 15 titres, il aurait peut-être pu en faire 12, voilà. Quelques titres qui sont peut-être un peu trop. Mais moi, j'ai passé un bon moment à l'écoute de cet album. Je trouve qu'ils ont un univers. Ils ont une patte. Je veux bien qu'on dise que c'est un groupe horrible, mais mine de rien, ils ont quand même une patte. Cette chanson Paradigme, pour moi, elle sonne vraiment comme une chanson de la femme, c'est-à-dire... alors là, en plus, avec le trombone, mais si on se petit côté pop, ces voix féminines, pour moi, ils ont véritablement un style, même si là, il faut reconnaître que ça part parfois un peu dans tous les sens. Voilà, c'est le troisième disque. Le premier, Tropical, je sais plus quoi, reste pour moi le meilleur. Le deuxième, j'avais pas tant accroché que ça, je ne l'avais pas acheté d'ailleurs. Et celui-là me réconcilie plutôt avec le groupe. Voilà, on passe un bon moment à l'écoute de cet album. Il y a un titre chanté en italien, il y a un titre chanté en anglais. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner en live parce que c'est pareil. Ça, c'est des gens qu'il faut aller voir en live. Moi, je les ai vus en festival, donc en festival, c'est toujours... j'aime pas les festivals, donc c'est bien pour découvrir, mais il faut aller voir les groupes en salle. Donc, je les ai pas vus en salle, mais j'ai vu des images en salle, ça a l'air chouette. Ils font du surf sur le public, ça c'est... Il y a plein de monde, il y a plein de nanas, il y a plein... voilà, moi, je... Ces deux personnages, je voudrais bien les rencontrer, parce que franchement, ça, même leur concept m'intrigue. Comment ils conçoivent leur album? Est-ce que les voix féminines, elles arrivent derrière? Est-ce qu'elles sont associées à la réalisation des titres? Pourquoi ce disque qui est aussi quand même un peu éclaté dans tous les styles? Est-ce que c'est voulu? Ou est-ce que finalement, ça a été un disque? Parce qu'il y a eu quand même 5 ou 6 ans entre les deux. Un disque qui a été enregistré sur une longue période et que finalement, ça correspond... à des moments de leur vie. Voilà, ça m'intrigue tout ça. Dans les notes, ils présentent ça un peu comme une BO de film, parce qu'à la fin, ils disent merci aux interprètes et aux musiciens et à tous les participants du film. Donc là, c'est pareil, je ne sais pas trop, ils ont voulu en venir en mettant ça.
voilà. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est un disque qu'il faut écouter, qui ne mérite pas. C'est un groupe qui ne mérite pas pas la haine, c'est un grand mot, mais les critiques, je trouve. C'est pas Thérapie Taxi, quoi. Genre, c'est pas de la variété. Pour moi, il y a un véritable travail artistique. C'est une pop retravaillée. Ça mérite quand même un peu de considération. Et en même temps, je sais plus, t'as les Arocs, tout ça, qui sont tout de suite dithyrambiques, qui les voient comme des génies. Bon, c'est un très bon disque, c'est un très bon groupe. Donc c'est un album que je conseille. Il est un peu cher en vinyle. Il est à 23€ en vinyle. C'est un double en vinyle, effectivement. Ouais. Donc c'est pas cher. Ça va. Ouais, c'est un double. Et en CD, il est à 14,99€, je crois. Ouais. Et moi j'aime bien ce groupe. Hein, je les écoute depuis le début. Moi je trouve que c'est des sales gosses en fait. C'est ça le truc. Ouais. On dit souvent c'est des sales gosses. Ils sont cons. Peu importe. Ils ont une attitude. Ils ont une façon de s'exprimer qui est marrante, qui est pas premier degré. Effectivement, tu disais en live, ils font du surf, ils chantent faux. On s'en fout en fait. Finalement, c'est peut-être le groupe le plus rock et le plus punk français quoi. Quelque part, c'est encore un groupe qui, en tout cas, il donne l'impression de faire ce qu'il lui plaît, de s'amuser. Je sais pas, c'est un peu, tu mélanges, tu prends les Sex Pistols, tu prends Elmer Footbeat, tu mélanges ça et ça fait la femme, quoi. C'est quelque chose de très frais. Moi, j'avais adoré leur premier album, Psychotropical Berlin. Mystère, effectivement, celui qui est sorti il y a 4-5 ans, 3-4 ans, je sais pas, j'avais moins accroché, même s'il y a 5 ans déjà, voilà, même s'il y a des morceaux qui sont, par exemple, Tatiana, par exemple, qui est sur Mystère, là, qui est un morceau vraiment à la Elmer Footbeat, quoi. Enfin, tout à fait. C'est vraiment un hommage, même, je pense. Je pense que c'est volontaire à ce niveau-là. Celui-là, je ne l'ai pas encore beaucoup écouté, mais voilà, c'est plus sage, j'ai envie de dire. Bah, après, ils ont 10 ans de plus, hein, c'est toujours pareil. C'est devenu plus sage, mais c'est toujours. Ils font ce qu'ils veulent, ils s'amusent. Et nous, on adhère et on s'amuse avec. Ou alors, effectivement, on n'adhère pas et effectivement, on déteste. Et ça génère cette réaction, effectivement, épidermique de pas mal de gens. Là-dessus, moi j'aime bien la femme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Louis, Nathalie? Moi j'aime bien aussi, ouais. Moi j'aime bien et je te rejoins sur l'idée que. Pardon. Non, ça me réconcilie musicalement avec David. Tu vois? Et s'il y a mieux sec qu'on aime bien, il y a plein d'artistes qu'on aime bien. Oui, mais je sais. Mais oui. Nathalie, ne te laisse pas faire, tu avais quelque chose à dire. Ouais, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une identité en fait. La femme, ouais. T'écoutes trois notes et tu les reconnais. Et ça, le fait qu'ils aient leur univers, c'est vrai, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont identifiables, ils sortent du lot en fait, ils font pas quelque chose qui a déjà été entendu. Et rien que pour ça, je trouve qu'ils méritent de l'admiration et ils méritent qu'on y prête une oreille. Après, on n'est pas obligé d'aimer, mais rien que pour ça, je trouve qu'ils valent le coup d'œil. Et la mention. Je suis 100% d'accord, effectivement. Ils essayent des trucs, ils s'amusent. Effectivement, c'est pour ça que tu parlais d'éclectisme sur leur album. Effectivement, il n'y a pas un morceau qui ressemble tant dans la façon dont ils sont composés, d'ailleurs, que dans les textes. Il y a des textes qui sont complètement dadaïstes, quasiment. On se souvient d'Antitaxi sur le premier album, par exemple, etc. Et d'autres textes qui sont un peu plus. La chanson qu'on a écoutée là. C'est très chouette. Avoir sur scène si on veut s'amuser et pas avoir sur scène si on veut écouter un récital de Pavarotti, effectivement, c'est de l'à peu près, c'est volontaire, en tout cas c'est une démarche artistique. On adorait les punks parce qu'ils chantaient faux et jouaient mal, et les mêmes gens qui adoraient les punks, qui ont nos âges et qui disent « Ah, le punk c'était génial », ils disent « Ah, la femme, il chante mal et il joue faux ». Ben les gars, vous avez vieilli peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Voilà. C'est tout vrai. On s'amuse beaucoup avec la femme, voilà, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Voilà, et je suis d'accord avec toi, David, c'est un chouette disque. C'est tout ce que j'avais à dire. Dites donc, on a fini, on n'est pas en avance aujourd'hui. Mais on avait beaucoup de choses à dire. Ouais. On a passé encore une bien belle émission en votre compagnie et en la compagnie de tous les gens qui étaient avec nous, notamment Eau de Vie et je ne sais plus son nom, où est-ce qu'il est passé, One Orbit, voilà, qui ont parlé de Clairette de Die, de Var Deschois, d'Armagnac. C'était sympathique.
Mais en tout cas, il y a six colis qui s'énervent sur son clavier. On ne sait pas ce qui se passe. Merci, vous étiez nombreux à nous regarder, c'était chouette. Et bravo à Lilou3333 pour le disque qu'on lui enverra. Donc il nous faudra l'adresse, on verra ça en chuchotement. Attends, je, si regarde, je crois qu'elle m'a laissé un chuchotement. Super, ouais. C'est parfait. Donc très bien, il n'y a plus qu'à. Merci à tous, merci David. Elle merci est en train de nous laisser un chuchotement. Merci, merci. Merci Jean-Louis, merci c'est Laura. Cool. Qui a fait encore son boulot en régie, mine de rien. On va se quitter, évidemment, vous vous en doutez bien, Lilou3333, la vraie star de l'émission de ce jour. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas. On va se quitter, évidemment, avec un clip. La prochaine Marde aux Grenouilles, c'est dans 14 jours. Autant dire que ça doit être quelque chose comme le 17 avril. En attendant, évidemment, on a tous nos streams quotidiens, tous les jours, un stream à 21h, souvent du jeu vidéo, mais pas que. Vendredi, on a le camion, on va recevoir des invités intéressants qui vont nous parler, notamment, si tout va bien, du métier d'attaché de presse et de la difficulté rencontrée pour l'effectuer en période de confinement depuis un an, par exemple. Donc ça va être chouette, c'est le Camtar de Sylvain. On va jouer à Mario, on va jouer à des jeux d'horreur, on va jouer à des jeux rigolos et on va papoter. Tout ça, c'est le programme de la semaine. On va vous laisser sur un clip d'un artiste qui revient avec un nouvel album qui va sortir, je voudrais pas dire de bêtises, le 4 mai, quelque chose comme ça. Cet artiste s'appelle Rover, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, sur Froggy's Delight. On a une interview qui va arriver sur le site, on l'a rencontré la semaine dernière avec Sophie et c'était génial. On va se laisser avec une vieille session de 2012, je crois, ce qu'il avait fait pour son premier album avec nous. C'est une chanson qui s'appelle Lou. Voilà, c'est Rover. On vous laisse là-dessus. On vous fait des gros bisous. On vous aime tous, même si vous êtes bavards, même si vous ne l'êtes pas assez. Et on se dit à demain, 11h du matin, pour Full Throttle, qui est un jeu de... on va dire narratif et point and click, avec des grosses motos, des gros balèzes, avec des blousons en cuir, et beaucoup d'humour. C'est Margounette qui jouera, et puis le reste du programme, on vous le donnera au fil de la semaine. Gros bisous, on se laisse sur Rover. Salut les amis, salut les viewers, à demain. Ciao. Salut. Salut, merci. Baby, little, I look at you. All things you say are often true. You've seen the barrens twist at you. Don't your romance is sometimes blue? See, it's alright. Yes, it's alright. Before when I'm with you, honey, it's alright. Sugar, it's alright. I'm tired. I made what it makes. Sure, I've lost the course and on our way. Oh, how soon we'll be okay. Don't be frightened of a train so fast. Oh, girl, I got the wheel, I'll make you last. See, it's alright. Yes, it's alright. Before when I'm with you, honey, it's alright. Oh, sugar, it's alright. That time I made what it makes. I made what it makes. Don't be no fool. Girl, on every cross can be a tool. But once the clocks decide to make their turn, well, then the evil side shall be a turn. See, it's alright. Yes, it's alright. Love for when I'm with you. Honey, it's alright.
she writes a letter. Let's talk.